Hello. Salut. Bonsoir à tous. Alors, faut que j'invite Mister. Comment allez-vous? Je sais pas si on m'entend, je sais pas s'il y a un retour, dites-le moi. Il y aura automatiquement un décalage de 8 secondes entre vous et moi sur le chat. Alors, tac. Ok, nickel. Tu entends aussi le son du jeu? Et tout, 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 tout. Ok, pas fort. Je peux y remédier. Tac. Je vais lancer. Donc aujourd'hui, nous sommes sur Sea of Thieves. Non, je le remets pas. Je l'ai même effacé, si tu veux tout savoir. Donc Sea of Thieves, jeu de pirate. Créé par Rare. Rare a été un très grand développeur de jeux pour Nintendo. Il a fait GoldenEye, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent bien. Bon, je vais passer tout ça. Hein. C'est mignon, mais... Alors... Et là, on va prendre un petit bateau. Un petit bateau, parce que on va être que deux. Fermé. Ouais, je suis d'accord. GoldenEye était peut-être le meilleur jeu FPS. Ça fonctionne sur quelle machine? Il y en a qu'une, c'est une exclusivité Xbox. J'ai un MacBook. Non. Apple est très fermé, ils ont toujours pas ouvert le cloud gaming à Microsoft. Alors allez, on invite. On invite, on invite, on invite. Tac. Greg, en principe, tu vas pouvoir... Appliquer. PC, ça existe, ouais. Ouais, ouais, tu peux jouer sur PC. Et c'est cross... cross gaming, donc tu peux jouer aussi... Je t'ai invité, Greg, hein? Ouais, ça y est. On va juste... lever l'encre. Donc le jeu est complètement PVP, donc en deux mots, c'est que du combat, c'est chacun pour sa gueule. Le seul truc, c'est que ils ont mis à jour le jeu et ont créé des fables. Et donc c'est la partie PVE, la partie histoire du jeu. Et donc c'est ce qu'on va faire, mais le monde reste PVP, donc si on nous attaque, ben on nous attaque. Donc deux petites secondes, je vais devoir... activer le micro, je sais pas si... un retour. Greg, tu m'entends ou pas? Ok, est-ce que vous entendez Greg quand il parle? Et je vais peut-être me mettre en une autre scène, on va plutôt faire comme ça peut-être. Est-ce que vous avez entendu Greg? Non, 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 non. Tout le monde me dit que non. Donc du coup, on va refaire ce qu'on a fait ce midi. Je vais créer une salle de conversation. Tac. Je crois.
m'étonne que t'entends pas quand même. Invitation. Non, c'est moi qui devais inviter. Ouais, tant mieux. De toute façon, on va pas te voir, donc pas un problème. Là, je viens de t'inviter au groupe. Peut-être mieux comme ça. J'attends juste. C'est bon, Greg? Ah non, j'avais pas cliqué, je crois. Ok. Là, est-ce que tu peux parler? En principe, ton nom va apparaître. T'entends pas, Greg, hein. Pourtant, parle. Là, je t'entends. Est-ce que là, vous l'entendez quand il parle? Oui, c'est bon, ça marche. Alors, nickel. Greg, bienvenue sur cette île. Ce que tu vas devoir faire et ce qu'on va devoir faire, c'est aller parler à la personne qui est juste là. Donc il découvre le jeu, il connaît pas. Moi j'ai commencé il y a très longtemps, mais je jouais pas non plus énormément. Donc ici, tu vas là et tu prends voter pour cette fable. Allez. Ah, c'est bon. Dites-moi si le son est bon. Peut-être devoir augmenter, je sais pas. Pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs, and deadly traps. But you won't find it on any map. I'm sure, Max. Swallowed up by the mists of the devil's shroud. C'est pas à cause de nos voix, peut-être. Attends, c'est mon micro qu'il faut que je monte. It tells of his first ship, the Magnus. Les micros, c'est le son du jeu qu'il faut. Non, le son du jeu. J'ai vu le retour, là, c'est le son du jeu qui faut que tu montes. Non, le son du jeu. J'ai vu le retour, c'est le son du jeu. Je t'entends en zone, là. J'ai vu le retour, c'est le son du jeu. T'es aussi sur le chat? T'es aussi sur le... Sur le stream? Ouais, je vais le couper. Oui. C'est comme la radio, il faut ouais, couper. Ouais. Là, est-ce voilà, que c'est ça... bon. Moi, on m'entend bien. C'est plutôt Greg que vous entendez mal. Le mot horrible est un peu fort à mon goût, donc je suis pas fan de ce mot-là. Non, mais code ouf, c'était de ma faute, j'étais sur le chat. Ouais, mais bon. Ils entendent pas assez le son. À mon avis, c'est à moi de faire le nécessaire. Donne-moi juste deux petites secondes. J'arrête, t'as fait une capture de ma gueule là, de pirate pourri. Doit être là-dessus. Je pense qu'ils veulent que ce soit. Et je sais pas si c'est là en fait. Je vais voir si moi je peux augmenter max. Ok, viens avec moi. On va sortir.
On va aller directement là où il y a le bateau. Juste le trouver. T'es sûr que t'as déjà joué à ce jeu? Ouais, quand même, mais ça doit être de l'autre côté, c'est une grande île. Comme ça, je leur montre un peu. Mais même moi, j'entends pas très fort le jeu. Par contre, je t'entends très bien. Là-bas. Tu vois, tout ça, quand on a testé, je le trouvais super sombre, le jeu est là. Je trouve que c'est vraiment lumineux, avec de belles couleurs. Taz a posé une question sur le nombre de participants qu'on peut être dans le jeu. Beaucoup. Sur une partie rien. En coop. C'est pas... Ah, en jeu, on peut, en tout, dans une barque, on peut être à 4 maximum. En coop, je pense. On est en coop automatiquement. Mais tu peux avoir plusieurs barques et créer un peu ton groupe de game. Donc, dans le fond, tu peux être plusieurs. Mais en tout, sur le serveur, je ne sais pas du tout combien tu peux être. Merde. Voilà. Oh non. Ok, là on a pris la fable. T'es tombé aussi dans l'eau? T'es où? Ouais, mais je remonte ça. Vous entendez vraiment pas le son du jeu? Parce que ça va me saouler. Je suis au max. Je viens de mettre le maximum sur le stream. Et sinon, on fait comment pour monter dans le bateau? T'as une échelle qui est juste là, sur le coin, et t'appuies sur le bouton qui t'indique, donc c'est X, mais t'es où? T'as sauté dans le feu. Agis. Ah, c'est bon. Ok. Non, mais en fait, j'ai une fenêtre qui me dit parler au collectionneur, donc je vois rien. T'as une fenêtre qui dit de parler avec qui? Le collectionneur d'or, dans la tente, pour acheter un voyage. Alors... Là, en fait, tu vas appuyer sur la touche, je crois que c'était LB. Ouais. Tu vas ensuite dans quête. Ouais. Et là, yes. Le joystick droit, tu mets vers le haut. Ça va te donner un journal. Ouais. Donc, on a tous le même journal. Tous ceux qui sont sur ce bateau vont avoir automatiquement la même quête. Et là, tu peux tourner. Alors. Merde. Me le fermer. Ah, attends, moi ça m'a pas donné ça. Attends, c'est ça. Et toi, tu peux le sortir. Moi j'ai ça. Non, faut que tu appuies sur A. Quand tu laisses appuyer, tu appuies sur A, ça va t'ouvrir tes quêtes. Ouais. Ouais. D'accord. Et après, t'as un livre ouais, en haut. Non. T'as pas le livre? Non, je pense qu'il fait j'allais voir le collectionneur. Alors viens. Oh, c'est bizarre toi. Alors viens, collectionneur. Je vais peut-être le faire avant alors du coup. Là. Le collectionneur d'or, c'est lui. Ils disent dans la tente. Ah. oui, t'as, j'ai jeté le bouquet. T'es où? Toi t'es allé là-bas tu... Non c'est là. Là. T'as le droit de visiter? Oui t'as le droit mais... On a super bien préparé. On s'est connecté aujourd'hui à midi déjà juste pour l'entendre, on a mis une heure. Donc ouais non. On a essayé de faire le nécessaire. Après il est vrai que le reste c'est les aléas du direct. Alors, qu'est-ce qu'il te demande? Ouais, mais tu vois, j'ai pas... La quête, elle s'appelle comment?
t'avait mis le couteau sur la fable. Ouais. Et après, il t'a donné un truc. Non, je pense pas. Bah attends, je vais regarder. Il n'y a pas que moi quand même qui l'ai. En principe, on l'a tous. Attends. Est-ce que t'as parlé en même temps que moi, le regard? Peut-être qu'il faut un prérequis avant de l'avoir. Non, 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 c'est au démarrage. Après, c'est pas grave, on y va ensemble. Remets-toi là. T'as bien cliqué dessus. Là, tu peux rien faire. Il te dit juste un mystérieux étranger, c'est comment... Étranger. Ok. Donc, il voit plein de regards là-dedans. Bon, allez, viens, c'est pas grave. Ouais, je l'ai, mais j'ai pas... Je le veux. Oh, bah, je vais te le donner au pire, mais... Un des Caraïbes. Alors, attends, parce que du coup... Tac. On monte. Si je me trompe. Ah, t'es déjà reparti ? Ouais, ouais, ouais. Donc je leur montre. Une quête de légende, nouveau voyage, nouveau journal, Shore of Gold. Un grand secret, une île de trésor engloutie par le Devil's Scroob. Les anciens traversaient la brume pour explorer deux îles. Disciple Scroob. Ok, bon, ça on s'en fiche. Les artefacts des anciens trouvés près. Un totem dedans, un totem animal, ok. Bon, t'as des dessins. Ce qui me fait chier, c'est que tu le vois pas. Bon, attends. Ben si, là, je le vois sur le stream. Ah oui, pas bête. Pas bête. Burning Blade nous cherche. Le prof face au canon des enfers. Ah, ça y est, je l'ai. Après. Bah, comment tu l'avais pas avant? Mais la dernière fois, il donne pas ça. Je saute à l'eau avec le coffre, on retrouvera grâce à... Ok, il y a un bateau qui est tombé. Il a perdu un coffre. On doit le retrouver. Ils nous ont surpris dans le haut fond de l'île non cartographiée. Donc il faut trouver une île qui n'est pas cartographiée. Île entre les... Ok, il te donne deux noms d'îles. C'est bizarre, putain, je peux pas le... Pas. Je l'ai le livre, mais je ne peux pas le sélectionner. Alors, on est d'accord que avec le stick de droit, tu montes vers le haut. Oui, oui. Donc t'appuies sur quête, stick droit. Et tu relâches. Attends, déjà je monte sur le bateau. Donc il faut trouver une île qui se trouve entre Crookmast et Crook Hollow. Ah c'est bon, ça y est. Ok. Tu vas directement à la dernière page. Bonjour à tous. Il y a eu des nouveaux entre temps, donc je redis bonjour. Donc ici t'as la carte. Juste là, quand tu descends, tu as la petite carte qui se présente ici. Tac. Et on doit chercher les deux îles. Le nom, c'était quoi? Je sais pas. C'est la dernière page. Donc quand tu regardes ton bouquin, tu scrolls avec la croix directionnelle, droite ou gauche. Ah, d'accord. Comme ça, t'as plusieurs pages. Comme quand tu lis un bouquin. Comme un iPhone, quoi. Placement de produit. La dernière page, tu veux dire? Ouais. Les deux avant-dernières. Et tu veux savoir quoi là? Le nom de l'île. Il dit deux noms de l'île. Crooked Mast. Alors attends. Et Crocolo. Après moi je t'avoue, je vois trop bien parce que je t'ai dit j'ai cette fenêtre en fait qui me dit d'aller parler au collectionneur. Non, mais c'est pas grave. Mais tu peux pas la fermer? Bah en fait il fallait que je lui achète Là. Bookmast. Un voyage. Et bah t'en prends. C'est pas grave. Ça y est, c'est je voulais économiser mon argent. Mais c'est gratuit, je crois que les premières. Le deuxième il est où? Oh, tu m'attends? Oui, vas-y.
Donc c'est si je me perds pas. Et ça. Donc ça va être par là. En N13. Vas-y, je t'attends. Ok. Je rejoins, même t'es parti à la nage. Okay. Bon, il commence à faire nuit du coup, tant mieux. Je vais leur montrer le coucher de soleil. Aussi beau que celui des terrasses. Alors. Je crois qu'il y a ton frère. Ouais, c'est mon petit frère. Il est pas mauvais streamer, hein. C'est son hôte, je suis pas streamer du tout. C'est son hôte qui apprend. Donc là, tu prends une voilà, c'est bon, j'ai pris le... Ça va t'enlever en principe là. Ouais, sauf qu'il me propose maintenant, vous pouvez proposer un voyage sur la table... Capitaine de votre navire. Bon, okay. Ben, là, il n'y a pas besoin. Ça, c'est pour faire. Bon, on fera après si on a le time. Je t'ai marqué. C'est toi qui vas tout faire. Hein. Je te le dis de suite. Tu vas conduire. Je vais juste t'expliquer comment ça fonctionne. Entre temps, tu fouilles les tonneaux. Dès que tu vois des tonneaux, tu vois là-bas, il y a des tonneaux sur ta droite. Et ben, tu fouilles. Tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Et tu prends. Tu fouilles. Et tu prends, puisqu'en fait, lui, il était vide. On peut se taper des dégâts. Ça, je m'en branle. Ça, je prends. Donc, t'as pris des trucs ou pas? T'as vu... Ouais. Ok. Bon, vu qu'on va pas se... Non, putain. Allez. Donc là, je t'ai marqué, en fait, sur la map, où on doit aller. Donc ce serait N13. Je veux juste que tu confirmes si pour toi c'est bon. Attends, j'arrive. N13. Donc il te dit que c'est entre les deux villes. Bref, j'ai pris... C'est entre O11 et N13, ça. C'est entre... Bah, ils disent que c'est au centre des deux. Donc, c'est bon, compris. C'est entre les deux. Tu viens là, et c'est ici que tu lances tes quêtes, en fait. Donc là, tu vas... Je sais pas s'il faut... Ah non, t'as pas besoin, c'est bon, d'accord. On les avait validés. Donc t'as pas besoin d'annuler. Donc là, tu te mets juste ici au niveau de la barre. Tu vas gérer la barre. Tu sais vers quel chemin tu vas aller ou pas? Pas du tout. Et ben, si t'as envie de regarder, tu peux regarder directement derrière toi. À la table qui apparaît vue de dessus. Donc derrière toi, il faut lâcher la barre. Hein. Bon, ça la lâche. T'es obligé de la lâcher. Lâche comment là ? Bien, c'est comme le volant, tu lâches. Et quand tu regardes là, tu vois. Donc ton bateau est au nord-ouest, donc tu dois aller au sud-est pour aller à ton chemin. C'est une boussole quoi. Donc sud-est, là, okay. Tu as ici. À droite. Et dans quelques instants, je vais. Ça va être lui. Je vais gérer le vent. Attention. Hein. Ah, on a tapé. C'est quoi ? Il faut aller réparer. C'est que t'as tapé. Donc, je répare. Oh, bah, je te laisse. Oui, je vais réparer. L'eau.
Ah non mais attends, tu sais quoi? J'avais pas compris que c'était avec l'autre joystick que tu drivais en fait. C'est bon, c'est réparé. Donc là, tu dois aller. Sud-est. Ouais, pour le moment, on n'est pas bon, hein. C'est de l'autre côté? Non, pour le moment, bah sud-est. Non, non, vas-y, tourne. Bah, si tu t'es allé à l'est, continue. À droite. Tu vas toi aller tout à droite. Bah c'est bon, c'est ça, j'ai tourné à droite. Ouais, parce que là, on retourne dans le nord. Peut-être t'as Comment compris ça? qu'il y avait la boussole là sur ta droite. Quand t'es. Tu la vois la boussole là? Putain, je l'ai même pas vu. Là, là. Non, c'est bon, je la vois. Donc, quand il te dirige vers le sud-est. Tu essayes de rester sud-est. Regarde le... Regarde, il y a le... Là où il y a les orages. Ouais, ben s'il faut passer par là, on passera par là. On va mourir des Le merdes. vent souffle par là. Non, moi je t'ai dit, je fuis. Tu vas mourir comme une merde. Donc essaye de garder le cap. Je vais juste regarder où on est. Ouais, alors. Tac. Essaye de rester vraiment un peu plus sud-est, sud-sud-est. En prenant ce cap-là, en essayant de prendre ce cap-là, tu vas croiser sur ta gauche une, deux, deux îles importantes. Voilà, entre-temps, je vais un peu montrer ce qu'on peut faire. Alors, on va faire ça. C'est la première fois qu'on part en voyage tous les deux. Ouais, je suis d'accord. Alors, quand on est 4, c'est le bateau est bien plus grand. Hein. Il y a deux étages. Il y en a un qui peut rester en haut. Sonner au cas où. Et en fait, je vais juste mettre ça. Est-ce qu'on est bon? Je vois des îles. On est pas mal. On est pas mal. Suis ce chemin, on est bien. Par contre, je vois plein de rochers aussi. De quoi? Je sais pas, il y a des rochers. Oui, par contre, là, tu fonces tout droit dans le rocher, donc fais attention. Oui, là, tu. Tu tournes, hein? T'inquiète, je passe entre les rochers. Au pire, je répare. Ouais, vas-y, va C'est tout vraiment droit bien là. fait. Oui, c'est va tout droit. T'as dit quoi? Il dit c'est vraiment bien fait. Alors, ils ont pas assez de chance de voir puisque. Attends, il y a encore de l'eau? Merde. Non, tu continues, c'est rien. Ça, c'est l'île de gauche. Ah, je croyais que Des fois, ils fallait peuvent se taper t'attaquer, un hein. PVP là. Non, non. Il suffit que t'arrives, c'est bon, c'est réparé. Parce que je sais que toi tu vas vite sauter du bateau. Ah, moi, je saute, ouais. Je quitte. Je suis pas le capitaine. Donc, tu vois, là, quand t'entends ce bruit, c'est la voile qui se tend, donc on va plus vite. C'est bien, tu peux gérer le chat. Je peux T'inquiète, gérer le chat, je vais mais nous. pas beaucoup.
Quand la voile se tend. Je sais pas, la voile se tend. On a l'air de tourner. Normal ou... Non mais c'est normal, c'est pour éviter les rochers. Ah oui, mais t'as bien pivoté là. Ah ouais, mais c'est ça où on se prend un rocher. Ouais, ok. Ah oui, c'était ce rocher là. Okay. Oui, si tu veux, je peux garder le cap et tu répares. Mais peut-être qu'à cause de la pluie, il y a de l'eau qui rentre. Et ouais. Attends, remets-toi sur la map. Ah, parce que tu vois en live. Ouais, comme ça je le vois sur le stream. Tac. Ouais, là tout droit. Suis ce cap là, sud-est. Après, c'est entre le sud-est et le sud. Sud-sud-est. Salut, Jus. J'espère que ça va. Oui, ne me demande pas pourquoi je crie. Alors, tac. Et là, tu fonces tout droit vers une île... imaginaire. Non, pas que imaginaire. Putain, mais j'ai l'impression qu'on a tapé encore. Ça, c'est l'île des Kraken, je crois, mais... Alors, si t'entends un moment un... J'ai pas réparé ou quoi? Là, tu vois, quand t'entends une musique comme ça, ouais, c'est pas bon. Les problèmes, c'est pas bon. Et je sais pas, mais c'est pas bon. Le mec, il flippe des. Regarder autour de soi, tu vois, il y a un truc. Ah mais j'avais pas vu. Pendant que je, en fait, je navigue, je peux regarder autour de moi. Ah oui, tu peux, oui. Après. Déjà, quand tu regardes devant toi, tu te cognes. C'est gentil, Juju. D'un seul coup, il y a, tu vois, d'un seul coup, il n'y a plus l'orage. Hein? T'es toujours bon sur le cap? Ouais, t'inquiète pas. Y'a plus d'eau. Oui, on est toujours bon. Je te montre comme ça, si tu veux. Tac. Ah, on coule. Non, on coule pas, arrête. Non, mais c'est bizarre parce que j'essaye de chercher où c'est que t'as tapé. J'ai réparé là. Au début. Non mais je vois pas. Pourquoi ça se passe quand t'es tout seul et que tu tapes? J'ai pas compris. Quand tu tapes et que tu dois réparer, que tu es tout seul sur la vitre. Ah mais moi je lâche la barre. Hein. J'y vais et puis c'est tout. Je croyais que t'es vierge cool. Et des fois c'est vrai. Et toi, tu peux prendre un autre instrument, et si tu veux, on fera la même musique à chaque fois. Mais garde la barre. T'es très, très tendu. Voilà. Je pense que tu vas me pécho. Non, je pense pas, non. Mais... Et ouais, c'est assez... Alors attends. Ah, attends. On est bientôt arrivé parce qu'il y a une île au fond là-bas. Est-ce qu'on est arrivé? Non, mais par contre, t'as des pirates. T'as juste à côté. Où? T'as un bateau pirate à droite. Non, je vois pas. Tu vois où t'as la fumée là-bas? Ah mince, ouais. À droite. Il y a combien d'endroits que non? Non, il va en fait il va sur une des îles où on n'a pas besoin d'y aller.
On a juste allé à... Continue, t'es bientôt dans N13 là. On continue tout droit. Tu dois avoir... Attends, parce que je crois qu'il disait... Que... L'île de Tortuga. Ouais, t'as un mât qui sort de l'eau. T'as le bateau, on voit le bateau qui a coulé. Vous arrivez à la même chose? Non, j'ai confiance. C'est plus à ta gauche là. Là, c'est plus à ta gauche et tu le vois le mât. Je viens de le voir, je crois. Par contre, ça rentre bien sur la télé. Tu le vois ou pas? Non. En fait, moi j'ai le mât en plein milieu. Ça doit être là. Ça doit être ça. Va à gauche. Tout à gauche? Ouais, tu vas là. Ah, c'est pas la roue. En fait, la voile rouge là-bas? Ouais, je crois que ça doit être par là. Ouais, c'est là. On va juste faire ça. On va un peu remonter pour prendre. Tac. Et par là. Continue. C'est tout calme là. Ah regarde, là où t'as des mouettes habituellement, c'est qu'il y a eu un... Il y a eu un bateau qui est tombé. Non mais c'est vrai. Donc ça peut être dans ce coin là. Par contre c'est vrai qu'on voit pas. Du coup je te laisse, ça fera le contour là. Va à gauche. Je vois des plantes là. Tout à gauche? Ouais, à gauche. Non, on va taper. Je lâche l'encre. Oh, putain. On tape pas là? Non, t'as lâché l'encre? Ouais. Mais putain. Ok. Ça doit être par là. T'as des requins, hein? Je te laisse nager alors. T'es où? Je suis dans l'eau. Je suis là. Tu vois pas? Ah oui. Alors il faut trouver. On cherche quoi là? Un bateau qui est pété. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux le même lire dans l'eau. En fait, il devrait avoir. Ouais, c'est au centre. Parce que peut-être je vais faire voir un peu. Les preuves se trouvent maintenant sur cette île non répertoriée. On doit avoir peut-être un truc ici. Bon, déjà, il doit avoir deux parties. Une partie à cet endroit. Je peux nager en illimité? Non. Ah, c'est pour ça que j'ai tout fait. Si par exemple t'entends boum, c'est que ouais, t'as plus d'air. Mais c'est pas ça l'épave? Bah si, mais tu fous dedans ou... Et on cherche quoi? Tu cherches, c'est une bonne question. Un coffre? Tac, un journal. Doit être dans la chambre ou un truc comme ça. Doit être là-dedans, c'est quoi ça? Là, c'est quoi? C'est pas un lit, ça? C'est peut-être toi qui va le trouver, ouais. Pas là. Non, je pense pas que c'est ça. C'est pas là-dessus. Ou dans un coffre. Ah, ça y est, alors, j'ai plus... Attends, faut que je remonte. Il doit avoir peut-être... S'il y a une queue de bateau, il doit avoir le reste. Ah. Ah, j'étais tout rouge. Et ça se passe comment en fait? C'est un indice, tu... Ah, je sais plus. Non, attends. Ah oui, mais il y a une autre partie. Attends, il y a l'autre partie qui est derrière là.
Ça va être dans ce coin-là. Ici. Et on redescend. Regarde. C'est lui. Ah, là. Quand je remonte. Je t'entends. Le son est très bizarre. En fait, de... Allez, tu descends. Yatas qui dit qu'il faut trouver le journal de bord. Et oui, c'est exactement ça. C'est là-dedans. Bah, il brille, là. Il brille. Je le vois là, là. Ah, tu l'as vu ? Bah oui, prends-le. Ah non, je te laisse le prendre. Ah. Bon, je vais le prendre. Bon, ça y va. Ah, mince. Ouais, non, je l'avais pas vu. Bah, bon. Attends. J'ai plus d'air. Oh, je m'étouffe, je peux pas le prendre. Ça serait con de mourir dans le bateau. Mais comment on le prend? Ah, ça y est. Ça y est, je l'ai pris. Donc là, ça va te mettre à jour, en principe. Avec... Ouais, ça s'est mis à jour pour moi, non? Ouais, ça se met à deux, tous les deux, automatiquement. Alors, on peut remonter dans le... Je m'ai même pas laissé le prendre. Bah ouais, je sais, je suis désolé. Et C'est parti. Je suis déjà dans le bateau, hein. Attends, il y avait peut-être un truc... Y a un requin. Il y a un requin. Il y a un requin, il te cible. Attends, c'est trop marrant. Chopé. Il va t'attaquer. Il est là-bas. Ah, il y a deux requins. T'as deux requins. Moi, je t'aide pas. Il y en a un, il arrive. Hein. Dépêche-toi, t'entends pas, là. Ta-la-la. Ta-la-la. Oui, j'entends, j'entends. Et je les ai échappés. Ouais, c'est bon. Il y a peut-être une mise à jour de la quête, du coup. Alors. Est-ce que je peux soigner ? Oui, tu manges des bananes, des fruits. Tu vas. Donc, toujours la touche LB. Et t'as fruits. Tu mets fruits, tu manges. Si t'as pas, tiens. Je le donne. Non, mais bon, j'en ai plein. C'est quoi, c'est plus? Il y a deux buts. Et pour manger, bah tu, je crois que tu manges directement. Attends. Mais j'appuie sur quel bouton? La gâchette droite. Merci. Si tu tirais. Alors là, maintenant, du coup, tac, on a récupéré un truc. Quête. J'ai bouffé toutes les provisions. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le journal. Donc là, tu vas aller sur la map. Est-ce que tu veux croquer dans ma grenade? Non, il n'y a pas besoin. Je me suis pas fait bouffer. Et il y a bientôt le bateau pirate. Donc, je te le lis. Donc là, en fait, on va suivre le chemin qu'a pris le bateau de McPee Wings. Ils ont jeté l'ancre au sud de Discovery Ridge. Il faut que tu cherches Discovery Ridge. Je t'enlève tous les points. Est-ce que tu vois où il est? Tu peux la chercher, hein. Non, c'est trop facile. Alors... Discovery Ridge. Ouais, mais les... Où? Sud-est? Alors, nord-ouest? Tu peux zoomer. Ah bah, il faut tout regarder. Tu peux zoomer pour avoir les noms qui vont apparaître un moment. Avec les gâchettes, si je me trompe pas. Ou la molette de droite, voilà, comme ça. Là, oh non, c'est avec la gâchette. Donc, Discovery Ridge... Oh.
C'est une île, t'as vu? Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. E17. Ok, tu mets un petit point dessus. Voilà, d'accord, j'ai mis le point à côté. Tais-toi. Ok, donc ça c'était leur première. Après, ils sont allés Burning Blade, nous fuyons vers le sud-est. Donc, vers le sud-est. Donc, tu suis vers le sud-est. Il nous prend en chasse. Donc, ils se sont fait chasser par un autre bateau. Laisser des îles plates sur tribord. Tribord, c'est quoi? Le chat, c'est quoi, tribord? Tu sais ce que c'est, toi? Tribord. C'est à gauche ou à droite? Babord. Tribord. Bah, attends, je vais taper sur internet. T'es dit, toi, tu dois savoir le tribord, c'est quoi être à tribord? À gauche ou à droite de ton bateau? Dans tous les cas, nous fuyons vers le sud-est et après il est remonté vers C'est côté l'est. droit. Du côté droit. Donc à droite, il y avait une île. Donc sud-est, ça doit être Old Salt Atoll là. Ouais. Et après ça, ils sont allés cap vers l'est, nord-est. Est, nord-est. On est passé. On a L'avant-poste de Plunder. passé une île fortifiée. Est-ce que c'est quoi? Ouais, c'est l'avant-poste. Ok. L'avant-poste Et Plunder. ben à partir de là, ils sont allés au nord-est. Tu mets un point à chaque fois, hein, pour voir le trajet. Ah ouais, je l'ai pas mis. Non, mais c'est pas Attends, grave, je si le après tu t'en mettre. rappelles, mais c'est juste que. Jeter le coffre. Ils ont jeté le coffre à l'eau au sud-ouest d'un archipel devant nous. Mais tu vois, ça me propose pas de mettre un point, ça me propose de mettre le bateau. De quoi? Non, Ça me non. propose de mettre. Là, t'es trop zoomé, là, t'es trop. Dézoome un peu. Ok. En fait, je vois pas ton centre. T'as un petit point en principe au centre. Ou sinon, laisse, je vais le faire. Si tu veux, je le fais. J'ai que le bateau. Ah voilà, moi je l'ai. Donc attends, c'était quoi? On est passé par là. Après, on est allé au sud-ouest, c'est ça? Non, sud-est, tu dis, et après le nord-est. Ouais, mais. Ok. Donc là, il faut aller là, c'est ça? Et après, on est passé au nord-est? Attends. Tu vois, en fait, tu continues les pages et tu verras, à un moment, il y aura le. T'auras le suivi du bateau. Tu vois de quoi je parle ou pas? Ou t'es perdu? Oui, je... Non, non, je... Donc on a démarré de Discovery Ridge. On est allé au sud-est. Ouais. À partir de là, tu as dit qu'on est allé au sud-est encore. Et après, à partir de là, on est tombé à Shark Bay Cove. Tu m'as dit nord-est. Ouais, au nord-est, il y a le plumeur plus fortifié là. Et on est tombé sur. Alors c'est soit l'avant-poste, mais c'est bizarre, c'est pas un avant-poste. J'aurais dit soit Log Pound, ou sinon, bah c'est tout. J'aurais dit ça. Peut-être ça. Bon, écoute, on va aller dans ce coin-là. On va aller au Attends, attends, je relis. lockout point. Alors attends, tac. Je remontre aussi à tout le monde. Donc on a jeté l'ancre au sud de Discovery Ridge.
Discovery Ridge, là. Ok. Le Burning Blade. Nous fuyons vers le sud-est. On est allé sud-est, on arrive là. Il nous prend en chasse. Laisser des îles plates sur Tribord, Cap, à l'est, nord et est. Est, nord-est, est, est. Ah non, mais c'était pas ça alors. Est, nord-est. Ah, moi j'aurais dit Luck déjà, ok. On a passé une île fortifiée. Oui, l'île fortifiée c'est Blade Cove, ok. Non mais le cap à l'est. C'est ça, c'est Lost Gulf 4 là. D'accord. Faut aller là. Donc du coup, tu mets la carte. Tu vas en H17. Il faut aller en... Ouais, ça doit être ça. Dézoom. Allez. Attends, vas-y. Laisse-moi la main, je vais placer la carte. Tu commences à remonter la... Alors attends, on était... C'est lui, c'est ça? Ok. Là, tu dois aller... Je me suis fait attaquer. Sud-ouest. Par qui? Le gars. Quel gars? Oh non. Oh non, ils vont nous niquer. Mais t'as peur. Putain. Mais on a rien. Putain. Mais je sais même pas si j'ai une arme. Mais si tu les as. On est des gentils pirates, bordel de merde. Et toi tu me dis on se fait attaquer. Putain, mais pourquoi je t'ai sélectionné? Ah putain. Donc là, on est mort. Du coup, donc ça c'est le bateau ouais, des morts, tu vois. T'as une vieille gueule déjà comme ça, mais déjà t'étais moche, mais t'es bien moche. On attend ici comme des pros. La porte elle s'ouvre et là on y retourne. Alors soit c'est des bâtards et ils nous brûlent le bateau et là on est dans la merde puisqu'on doit reprendre. Ah. Ouais. Bâtard. Ils se cassent maintenant. Ah, ils nous ont brûlés? Ouais. Faut que tu prennes de l'eau, hein. Ah, mais c'est un... Ils nous ont pété le... Voilà. Ils me tuent encore dessus. C'est pas grave. Bah, ils m'ont tué. Je répare, mais... Ben, il m'a pas encore ouvert la porte. Bon, ça va, ils ont rien fait. Ils ont juste un peu niqué. Du coup, il faut que je fasse quoi? On se casse. Tu te casses vers... H17. Non, ça sert à rien ça. Ça va pas t'aider. Tu vas sud-ouest. 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 Tu me dis quand c'est bon. Je remonte l'ancre. Sud-ouest. Tac. Attention. Super. Ouais, et là, je le vois pas là. Allez.
fais attention. Mais je te jure que je vois rien. Sud-ouest, hein. Ah ouais, bon, j'y suis. C'est bon, c'est réparé. Merci. Ouais, quel amoussaillant. Je sais pas si c'est réparé à 100%. Mais... On va voir que c'est pété ou pas. Après. Ah oui, là. Je trouve dommage qu'ils aient pas. C'est dissocié le PVE et le PVP. Comme dans WoW. Je suis d'accord, mais après c'est pas un Jeu PVE qui veut juste fait. Faire des quêtes et qui se fait taper de longue en PVP. Non, mais c'est pas un jeu PVP. Bon, après moi je m'en fous, moi j'aime c'est bien. C'est pas un jeu PVE, mais et il manque Augustin, c'est dommage. Il y a encore un endroit où c'est pété, c'est pas possible. Et je viens de trouver où c'est. Non, je vais chercher des planches. Non. On est bien, on est bien. Ouais, bah c'est grâce à toi quoi. Tu sais quoi? On va mettre ça. Les canons sont chargés. On était deux cons qui étaient sur la carte et on a même pas vu qu'on s'est fait aborder. Ouais, ils auraient pu. Fais attention, il y a des petites îles peut-être devant toi. Pardon. Le bot il a fait son taf. Il y a quoi, il y a des petites îles? Des petites îles, ouais. Pas à droite? Non, continue tant que tu les vois et tu rentres pas dedans. Écoute, tu m'as dit sud-ouest, moi je vais au sud-ouest. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et s'il y a une île, tu répares. Hein. Tu vas aller un tout petit peu plus à l'ouest dans... Va plus à l'ouest. Vraiment entre sud-ouest, sud-sud-ouest quoi. Ou plutôt ouest. Non. Ah ouais, l'ouest. De l'autre côté. Ouais. Va plus à l'ouest en fait. Simplement. Je sais pas si tu vois sur le stream du coup. Oui, je vois. C'est pas du tout. Attends, sur le stream. Tu vas tout droit à gauche. Attention là, tu vas trop à l'ouest. Va lâcher la. Non. J'ai pas trop à l'ouest. Ah ouais, mais c'est en décalé, c'est pour ça. C'est vraiment trop à l'ouest en fait. Oui, mais regarde ton bateau. Ton bateau, tu vois, qui va vers le nord. Mais c'est bon, je sais où c'est que je dois aller. C'est plus à l'ouest, mais vers le sud quand même. On met sur la carte pour voir. Tu vois, comme ça là. Imagine-toi, c'est toi la boussole, t'es entre l'ouest et sud-ouest. L'ouest et sud-ouest. Non. Tu devrais être sur la barre d'à côté. Entre sud-ouest et ouest. Voilà, là t'es au sud-ouest, là. Et entre les deux, là maintenant. Et là tu vas être bien, je pense. Voilà, là ton cap il est nickel. Et t'essayes de tenir ce cap là. Bien sûr, quand t'as un rocher en face. Alors attends, je vais juste mettre le vent peut-être dans ton sens. Voilà.
principe c'est comme ça, toi tu gères la barre et moi je gère le vent. Donc là tu veux contourner vers la gauche, c'est ça? Ouais. Okay. Donc en fait c'est l'île qui était derrière je pense, là-bas là. À droite? Ouais, bah ouais du coup oui. Parce que là c'est l'avant-poste je pense, ce qu'il y a là. Et là maintenant c'est vraiment à l'ouest. C'est vraiment l'île qui est vraiment à ton... C'est pour ça que j'aurais tourné de l'autre côté. Donc c'est celle que tu vois là-bas en principe. Là tu la vois. Là tu la vois. Là on est bon. Tac. Oh non, je vais pas aller dans l'eau. Est-ce que c'est l'île qui est en face là? Oui, c'est celle-là. Ainsi, oui. J'espère. Sauf si je me suis trompé dans le dans la recherche. J'ai relu le journal et ça peut que être ça. Si on est d'accord, tant mieux. Et là on se fait attaquer. Alors attends. Tac. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce qui est en face de toi. Donc dès qu'on arrive... Quoi, fait... Pourquoi t'as... il y avait écrit au secours? C'est moi qui ai marqué ça. Parce que je suis avec toi, je sais pas comment on va, s'arrêter. Donc là, tu vas toujours tout droit. Attends, parce que je vais manger. Et tu... En fait, il est vraiment bien foutu le jeu. Tu m'as dit quoi? Et ça sert à rien que tu ailles tout droit sur l'île, tu sais, essaye de la contourner pour qu'à un moment on jette l'ancre. Ouais ouais. Je vais la contourner sur la droite. Après, il nous dit quoi? Donc il a lâché un trésor. J'ai pas relu. Lost Gold for. Ok, je vais un peu lever l'ancre, lever la voile, pour que ça aille un peu moins vite. Et tu la contournes à gauche? Bah, j'étais sur la droite. Bah, oui, mais tu la colles un peu plus, quoi, c'est ça que je veux dire. Pas trop non plus, hein. N'oublie pas que. Là, par exemple, c'est trop. C'est bon. On tourne, qu'on tourne, qu'on tourne, encore. Je veux qu'on ait un endroit où on puisse avoir une sorte de plage, quoi. Attention. Pas visible. Attention. Je peux pas faire attaquer. Oh, on va se rocher là. Non. On a gauche. J'ai arrêté. Là, on va tourner, on pivote à 180. J'ai pas l'impression qu'il y ait une plage, c'est tout chill. J'ai l'impression que c'est un fort, ouais. Bah, écoute. Tac. On va jeter l'ancre et on va y aller. Hein. Allez. Lâcher le coffre dans le coin. Ils ont lâché le coffre. Attends, elle avait dit... Dans l'eau, sur l'île. Non, pas sur l'île. Hein. Elle avait dit dans l'île? Sur l'île? Bah attends, je relis. Je pensais que c'était sur le passage quand elle dit sud-sud-ouest, je crois. On cap à l'est. Il sera bientôt sur nous. Et là, c'est fini. Jeter l'ocre au sud-ouest d'un archipel devant nous. Sud-ouest.
donc le sud-ouest. Il fallait que je regarde. Sud-ouest de l'archipel. Est-ce que c'est là où on est? Je pense, hein, en plus, sans le vouloir. Peut-être par là, hein. Oh putain, il y a des requins. Oui, ben ça doit être par là, alors. Tu y vas? Eh merde. Quoi, t'es mort? Bientôt. Mange, hein, t'as le droit. Je veux pas, monter dans... Ouais, ouais, mais... Sud-ouest, eh ben c'est... c'était sud-ouest ou sud-est? Est-ce que le requin me suit? Au sud-ouest, c'est exactement là. De l'archipel. Est-ce que tu vois pas un coffre? C'est où? Ben, je suis le requin. Je fais le tour de l'île, du coup. Oh putain, il va me tuer. Il m'a tué. C'est pas grave, tu renais... Mais pourquoi t'as pas sorti ton arme? Tu sais que t'as une épée, hein? Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Attends. Non mais où c'est qu'elle a lâché le coffre? Elle a pas pu lâcher le coffre plus bas que ça, quand même. Est-ce que c'est cette île? Je sais pas du coup. J'ai fait en fonction, je pense. Attends, je vais déjà. Attends. Ouais. Je vais essayer de voir un truc. Oh putain de tarasse. Attends, je remonte, il y a un requin. Attends. Faut que je mange, j'ai eu peur. Oh putain. Il est là-bas, là. Merde. Il est où? Putain, il est parti? Attendez, il faut que je trouve mon arme. Ici, t'as des munitions. T'as la boîte à munitions qui est juste là. Ici, si tu veux... Voilà, si tu veux. Bah j'ai pas l'impression d'avoir une arme, moi. Viens. Là. T'es où? T'as ton arsenal, là. Ici. T'as deux armes. Prends ce que tu veux, fusil à pompe. Moi je prends épée et sniper. Pris épée et pistolet de loup de mer. Et on va essayer de continuer parce que. Alors. Donc attends, ça serait au sud-ouest de cette île? De quoi? Elle a dit qu'elle a lâché au sud-ouest. Ouais, sud-ouest de cette île. De l'archipel. Alors après, je sais pas... Ah, c'est là où on est? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je trouve rien. Donc Est-ce que c'est cette île? Attends, on va relire le truc. Retourne. Ouais, essaye de refaire le truc, je vais chercher... J'entends un bruit. Il y a un requin. Putain, c'est ah, c'était où? En plus, il commence à faire nuit. T'es vite remonté. Mais. Bâtard. Je m'en fous, je vais pêcher avec le harpon. Ah ouais, mais il commence à faire nuit. Qui a envie de nager dans les fonds marins? Moi, je me jette. Non mais attends, va pas tout seul, je viens avec toi.
Buter un requin. Sud-ouest, tu crois qu'il y a encore plus profond là? Non, mais c'est bizarre parce que... Non, c'est trop profond là. Ouais, on le verrait de suite sur le truc. Là, c'est trop profond, c'est pas possible. Attends, je dois remonter. On a dû se tromper d'île. Je dois remonter. Putain, franchement, heureusement qu'il a autant de souffle. Je vais le refaire. Putain, j'étais vraiment bas là, je vais mourir. Alors, attends. Le truc te dit. Ils ont jeté l'ancre au sud. Donc ça démarre au sud. On peut, de on peut pas rentrer dans l'île en fait. Bah là, ça sert à rien. Non, c'est pas sur l'île. Ils ont jeté le coffre à l'eau au sud-ouest d'un archipel devant nous. On met le cap à l'est. Attends, ça veut dire que... Ah oui, mais ça veut dire qu'automatiquement... Ah non, mais... N13. Attends, je me fight avec un requin. Et... Enculé. Qui a gagné? C'est lui ou c'est toi? J'ai plus de munitions. Prends ton arme. Ton épée, c'est pour ça que je te dis qu'il faut... Bon, moi, je préfère garder l'épée au cas où. Alors, attends. Putain, mais c'est dur. Il faut avoir le bac. Enfin, plus que le bac, puisque je l'ai aimé. Alors, attends. Crowd Breaker, c'était ça? Ouais, c'est ça. J'ai rendu l'âme. Il est mort? Bah, il m'a chopé, j'ai tiré 4 fois et ça lui a fait. Crowd Breaker. Ok, il dit qu'il est à 10 à 20 pieds. 10 à 20 pieds de là. En principe, on le voit là. Attends, mais on est où là? Parce qu'on n'est pas du tout... Attends. C'est quoi le nom de cette île là? Attends, je vais regarder sur... Le Bunder, il y a un regard. Bah, sur le bateau. C'est bon, j'y suis aussi. C'est Lost Gold Fort. Ah, ça n'a rien à voir en fait. Lost Gold Fort. Non, c'est pas possible. C'est pas là. Ça doit être Lookout Point. Alors, on s'est trompé. On se casse. T'es revenu sur l'île? T'es revenu sur... Je suis sur le bateau. Ok, vas-y, reprends là-bas. Tac. On est attends. Dos. T'es en train de regarder la carte. Ouais, et bah il faut aller où? Attends, je vais te dire ça. Tac. Donc si c'est pas lui, c'est là en fait. C'était une des deux. Il faut que t'ailles sud-est. Sud-est. Et je lance. Sud-est. Sud-est, oui. Bah tout, vas-y, fais tout, pivote sud-est. Et ça s'appelle alors, comment? Tu sais quoi? Je vais même remonter ça. Lock point, là, je sais pas quoi là. Sud-est. Tu me dis quand tu y es. C'est derrière en fait, hein. Ouais, je... À la tangente. Ok.
dis quand c'est bon, et là je vais te redescendre là. Voilà, et c'est tout droit en principe. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est trop à l'ouest, là faut que tu... C'est plus vers le sud que vers, vers l'est. Entre les deux. Voilà, c'est... voilà, tu vois là où il y a le trait, tu essayes de suivre ce chemin. Un tout petit peu plus à l'est. Voilà, là, tout droit maintenant. C'est cette... tu vois l'île qui est là-bas là ? C'est ouais. Là-bas qu'on doit aller. Ça s'appelle comment cette île ? Point. Lookout point. D'accord. Tac. C'est bon, y'a pas besoin. Je vais juste faire ça au cas où. Les plots. Comme ça, s'il y a le feu. Donc, tout droit, tout droit, tout droit. Et du coup, on l'a lâché au sud. Donc là, faut que tu la contournes un peu sur la droite de l'île. Et quand on arrive derrière, c'est derrière. Là qu'on lâchera l'ancre. Ouais, parce que c'est le... D'accord. Alors attends. Qu'est-ce qu'on dit ? Oh la chance, putain. Y'a Will qui a un McDo. Bah bonne app. Bonne app. Donc ça doit être par là. Dès qu'on est au sud, on lâchera l'ancre. Ok, on arrive là. Je vais remonter un peu si tu veux. Là, tu sais. Lookout. Back. Point. Ok. Donc là j'ai ralenti. Je contourne un peu l'île. Et quand on est au sud. Là on est sur le côté ouest de l'île. Donc c'était sud-ouest. Un tout petit peu encore. Là où il y a la tâche à peu près. Là, je jette l'ancre. Ça doit être par là. Allez, on va regarder ça. Mais tu vois, dans mon inventaire, je vois pas mes armes. Ouais, moi non plus. Toi, ton pistolet, ton épée, tu le sors comment ? J'appuie sur le bouton Y. J'ai les deux armes. Ah ouais, c'est bon. Nickel. Alors, faut juste chercher, à l'eau, là. Faut juste chercher par là. Squelette. Ah, attends, viens. On va aller sur l'île un peu. On va les tuer. Je crois qu'il y a un coffre. T'es où ? Attends, j'arrive. Oh, il y a un squelette là-bas aussi. Mec, ici, un coffre. Un coffre de munitions. Ah, c'est pas celui-là.
ici, on va prendre les bananes des planches, parce qu'on en avait presque plus. D'ailleurs, je vais manger une mangue. Ah d'accord, on doit le porter jusqu'au... Ouais, il faut que tu le ramènes. Navire. Ouais. Et ça, ça se revend. Tu peux revendre un coffre uniquement s'il est plein. Là, je crois qu'il y avait marqué 50 munitions sur 50. Ça doit être par là, c'est pas possible. Là, je vais pas me faire taper par un requin. Peut-être. Si c'est le cas, tu laisses et il flotte. On monte. C'était sud-ouest. Hein. J'y suis là, au sud-ouest, la mer. Non, ne me dis pas que c'est pas encore cette île. Le fou, le coffre. Tu le poses. Pas ça. Tu le poses dans le bateau en bas où tu veux. Je vois rien. À nouveau un coffre. Je remonte. On est d'accord, c'est pas sur l'île. Non, non, c'est pas sur l'île. C'est sûr, c'est jeté. C'est au bord de au bord de l'île. Là, je serai à l'ouest. Donc, je trouverais ça idiot qu'ils disent à... Non, mais c'est pas possible. Attends, je vais tourner sur le bateau. Je vais le faire une deuxième fois. Putain. Il est vraiment bidon. On n'est pas super bon, ouais. On va le faire en deux parties, c'est pas grave. Mec. Alors attends. Quête. Allez, je reprends. Tac. Ah oui, mais c'est chiant, putain, ça par contre. Jeter l'ancre au sud. Tac. Foutu requin de merde. Oh, attends. Ah, mon gars. Côté nord-ouest qu'il faut aller. Attends, je bute un requin là. Je vais retourner. Qu'est-ce qu'il dit ? Encre jetée au sud. Ouais. Client. J'ai tué un requin ? Vers le sud-est. Ouais. C'est Chicken Island qu'il faut. C'est Chicken Island. Attends, je suis en train de manger de la viande de requin. Ah mais tu peux être malade hein. C'est pas grave. Il faut le chauffer. Ouf. Chicken Island. Putain, ça a rien à voir si t'es au nord. Et allez. T'en es sûr? Je suis presque sûr.
Oh bah j'arrive. Je suis presque sûr, en tout cas c'est pas sur cette île. Là il faut aller au nord. Je suis allé à 99% sûr. Merci beaucoup. Je te fais confiance. Jeuonline.com pour la solution. J'étais déjà sur le site des Millenniums. Oui, mais il était trop confus. J'ai mis une heure à trouver. Ah là là. Attends, je peux pas te tuer. Il y a Thomas Dista qui nous dit d'aller au nord. Oui, c'est ça. C'est au nord. C'est sûr. Bon, allez, tu vas au nord. on est où là? Donc là, il faut pivoter. Oui, il faut pivoter, donc attends. Tu pivotes de l'autre côté, hein, pas côté île. Hein. Ça va te faire. Oui, bah oui. Ouais, ok, oui. Allez, monte. Allez, tu sais quoi, je vais même aller sortir. Ah ouais, tu fais ça, toi. Moi, j'aurais fait de l'autre côté. Non, c'est pareil. Ok. C'est toi qui gères. On est vraiment une bande de bras cassés. Comment ça? Tu rigoles ou quoi? On a fait 12 îles. On a travaillé. Oui, bah on montre le jeu aux gens. Faut prendre son temps. Voilà. Ah, il a fait fait. Attends. Oh non, je suis tombé dans l'eau. Non. Merde. Attends, moi, jette l'ancre. Merde, comment attends, la jette l'ancre? Des trucs. Attends, je prends un crâne. Comment la jette? Elle est derrière toi l'ancre. Non mais vas-y, fais demi-tour, bâtard. Mais t'as l'ancre derrière. Appuie dessus. Pas. Mais elle est derrière, c'est le grand truc. Non, je m'en fous, je lâche pas. Hein. Je prends pas la sienne là. Non mais t'es sérieux? Putain. Arrête de partir. Oh putain, il y a des galodons. Vas-y, je vais prendre la. Je vais prendre la sienne. Je te jure, je trouve pas l'ancre. Non mais t'es vraiment nul Greg, c'est pas possible. C'est le grand truc. Ah oui c'est bon, je la vois, je la vois. Non mais maintenant tu mets pas l'ancre, il y a le mégalodon. Waouh, il y a des gros monstres. Pourquoi je peux pas retourner? Oui je veux retourner. Ah oui j'étais obligé d'essayer, putain. Oh, putain. Tu sais pas nager. Donc quand t'entends ça, c'est que t'as le mégalodon. T'as pas lâché l'ancre là? Si. Si. Ouais. T'as un requin qui te fonce dessus. Allez, on c'est avance. Bon. Oui, on... Tu le vois là ou pas? Tu le vois ou pas? Lâche la barre là, à ta droite là. Ah ça y est. Le mégalodon, je l'ai vu tout à l'heure. Ça y est, il va nous lâcher. Ou pas? Le mec il se jette comme ça dans l'eau normale. Attention, tu vas taper là, c'est pas ici qu'il faut. Attention, tu vas taper. Encore le mégalodon derrière qui te suit. Non, ça y est, il vient de nous lâcher. C'est bon. Est-ce que arrête d'avoir peur comme ça là. C'est toi là. Tu m'as dit c'est au nord. Ouais, c'est au nord, oui. Ça n'a rien à voir. Là. Par où tu passes? T'adores. Heureusement qu'il y a des pointillés sur la carte pour voir ton chemin. Au nord. Donc là, tu continues. Voilà, tu continues. Tu continues. Et tu vois en face de toi, t'as une île. On est d'accord? Tout au fond. Ouais. Et ben, c'est pas celle-là. C'est celle qui est à gauche. Voilà. Tu vois, il y a une île. Ben, c'est pas celle-là. Donc c'est pas celle qui est là-bas, c'est celle qui est là-bas en fait. Elle est là-bas. À gauche. Ouais, c'est de... voilà, la deuxième. Là, on fonce tout droit vers... J'aime pas le nuage noir, là.
Il a l'air tout pourri. On va encore se faire niquer. Oui, on va aller. À gauche. Faut que t'ailles à gauche. À gauche. Tu oui, mais là, faut que je contourne. Ah ouais, tu sais quoi, vas-y, regarde. Non, à ta gauche, là, je vais me prendre le rocher. Ne fonce pas tout droit contre le rocher. Non, mais t'aurais dû contourner avant, c'est ça que je veux dire, Greg. Mais en fait, maintenant, la voile ne me permet pas de voir. Non, mais tu regardes tu regardes la boussole. Bah oui, je la regarde. Depuis tout à l'heure, je suis dans le nord. T'es dans le nord. Oui, mais faut aller au nord-ouest maintenant. Vu que tu t'es décalé à l'ouest. À l'est. Il y a des gens qui posent des questions sur le chat. Qu'est-ce que me demande Ayerens? C'est ton vrai nom? Non. Non, non, non. C'est Roberto son prénom. C'est Jam. T'es le meilleur à FIFA. Pourquoi cette question? Parce que... Non mais attends, en plus c'est quoi? Je vais retourner voir le chat. Enchanté Jam. Jeune Lascar, bah écoute, jeune Lascar. Enchanté de même. Donc c'est cette île là? Non. Non. Tu vas à l'ouest. C'est à l'ouest. Putain, il m'écoute pas, il va toujours. Ah merde, c'est à droite. Toujours pas entendu. Tu vas à l'est, t'es à l'ouest maintenant. Va à l'ouest. Toi, tu t'es trompé, tu m'as dit d'aller. À l'ouest, pourquoi tu vas à l'est? À l'ouest, W, là où il y a le W, à gauche. Ah, tu crois que je passe entre les deux là? Non, on va pas tenter. Par contre, c'est super dur à... avec le vent. Ouais. Je confirme, surtout quand on va taper. Non, on va pas taper. C'est celle-là, là-bas, là. Stop. Redresse à droite. Tu vas là-bas. Pourquoi il y a cette putain de brume? Attention, tu vas dans le sud, là. Fou là là. C'est pas possible. Je vois rien avec les vagues. Enlève-toi de la barbe. Oh. On va se noyer, putain, avec toi. C'est à droite. Voilà, c'est celle qui est en face de toi, là. Stop, arrête de bouger, toujours tout droit. Toujours tout droit. Ah d'accord, c'est bon, je la vois. Ah, putain, enfin. Ah ouais, en plus il pleut, donc je dois écoper. Okay. Putain. La boussole part dans tous les sens. Oui, alors ça c'est parce qu'il y a une tempête. Si ça arrive, j'arrive même pas à redresser. Si ça... On est au nord, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est à l'ouest, c'est à gauche, Craig. À gauche, à gauche, non, c'est derrière nous. Mais il veut pas. C'est... Je te jure, ça tourne pas. Mais parce qu'on est en plein dans la tempête. Oh là là, mais on va croire. Oh putain. On est en train de prendre l'eau. Mais on a tapé 14 fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non mais on va crever. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je veux pas qu'on jette l'ancre. Faut réparer, Greg. Viens écoper, s'il te plaît. Non, non, continue à garder la barre. Putain, on est en merde. Train de crever, on est en train de couler. Merde, on est en train de couler, Greg. Ouais, mais là, on s'est mis droit sur les rochers. Non, non, mais putain. On est en train de crever. Attends, regarde, je passe entre deux rochers, là. Non, mais laisse tomber, on est en train de nager. On nage dans le... Putain, on va tout reprendre depuis le début. Non, je veux pas, moi, je m'en fous. Non, t'inquiète, on va s'en sortir. Ouais, mais s'il te plaît, oui, comment? Il y a une grosse tempête, on a l'eau. Faut jeter l'eau. Dis, on va faire ça. Ah c'est bon, j'arrive à garder le cap. Tu me dis où? On a la moitié de l'eau du... On a l'eau qui touche la carte.
tellement que on va crever. Non mais là c'est bon, c'est mort. Eh non, on va pas crever. Je te dis que si. On a l'eau qui touche la carte. On n'en peut plus. On est en train de nager comme un sous-marin. Non mais c'est pas possible. J'ai pas assez de planches, Greg. Il y a 5 trous. Il y a que des trous partout. Et l'eau, elle monte super vite. Je vais me noyer même dans le bateau. Attends, parce que là, je vois même pas ce qu'il y a devant moi. Mais dégage de là, putain, Greg. Ah, ça se calme. Mais ça se calme. Toi, tu vois une tempête, je t'ai dit, je veux pas aller dans le noir. Je le sentais pas, le noir. Mais moi, je voulais aller. Ouais, bah... là, tu vois le résultat. Non, mais y'a que des trous, tu m'as mis que des trous, là. Putain. Je pensais pas raccourci. Putain, je suis en train de pleurer tellement, j'en peux plus. J'ai plus de planches, j'ai plus de planches. Attends. Je dois jeter l'eau. Non, c'est pas lui. C'est lui. Vas-y, j'ai réparé, j'en ai réparé deux. Putain, on est presque bon là. On est presque. Oh non, ouais, putain, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, pourtant je. Non mais on est toujours dans la. Dans la tempête. Ouais, ouais, ouais. Toujours. La voile, elle est droite ou. Non mais là on a pris un cap qui a ouais, pas ouais. À voir, je parie. Pas possible. Ah putain. Putain, on est bien là. Non mais c'est bon. Hein. Et elle est bien longue la tempête. Bah c'est une tempête, c'est une météo. Tu crois qu'elle va s'arrêter 2 secondes? Non mais c'est bon par contre là. On est bien. On est bien, attends, je viens de voir qu'il y a des rochers là-bas. Non mais fonce pas contre les rochers, mais par contre garde. Ouais mais ça tourne pas. On est où? Putain, on est. En fait on a fait du surplace, on a fait un. Ouais c'est ce que je me demandais. Faut que t'ailles à l'est, à l'ouest. Va à l'ouest. À l'ouest? À l'ouest, W, ouest. Et ouais mais il y a les rochers, putain. Bon bah je t'écoute. Oui mais après si tu vas à l'ouest de toute façon tu vas te perdre. Donc on va être au nord. Là tu retournes au nord. Là on revient sur place. Là t'es allé à l'ouest là. Mais oui j'étais à l'ouest. Mais je t'ai dit que la boussole est tournée dans tous les sens. Je sais que. Mais faut pas rester là quoi. Oh, non, putain. Il a tapé. J'ai pas tapé. Si, mais j'ai entendu plaque. On est à l'avant-poste. En face de toi, y a pas un truc? Y'a rien du tout. Mais c'est parce que tu le vois pas. Et si, à droite là, à ta droite là-bas là, y'a un truc. Et une île. Eh ben c'est ça l'avant-poste. D'accord. Approche-toi de là-bas et on jette l'ancre. Au moins on bouge pas. Oh putain. Oh putain, j'ai presque plus de planches. Hein. Il en reste 5. Ah, tout est réparé. Tout est réparé. Ah, est-ce que tout est réparé aussi? Tout est réparé. Ça y est là, la tempête elle est finie. Attention. Ah hein. Non, elle est toujours pas. Si elle commence à finir. Il y a encore des orages. Ouais, reste à droite. On à droite. Attends, tu sais quoi? Oh, non, 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 je suis tombé dans l'eau. L'encre. Oh putain, quel boulet. Attends, c'est bon, je vais dans l'île. De toute façon, au moins là-bas, je meurs pas. Va, voilà. Voilà, vas-y. Exactement. Fais ça. Exactement. C'est très bien, ça.
T'as jeté l'encre ? Oui. Ah bien, bravo. Vas-y, attends, j'arrive. Oh putain, il y a un truc qui t'est tombé dessus. J'ai vu. Faut que tu prennes de l'eau. Un deuxième éclair qui te tombe dessus. Il faut m'a tué, je crois. Il faut... C'est vrai, t'es mort ? Il m'a tué sur place. Attends, mais il y a le feu. Il faut pas rester sur place. Pauvre bateau. Ah non, c'est... Ah si, il y a le feu. Bon, j'éteins le feu avec l'eau qu'on a dans le bateau. Ça y est, la tempête elle est finie. Ah non, attention, elle me retombe dessus encore. Où je me cache. C'est bon pas ? T'es vivant ? Non, j'attends. C'est parce que t'as laissé les munitions là. On est bien là. Regardez le lever de soleil. Comment on peut être dans une tempête de merde avec un lever de soleil aussi ? En plus j'ai peur des orages, je me cache. Mec, les coques, ouais. Bon vas-y, attends. Là il faut aller où ? On est où ? Putain. Il faut aller au nord-ouest. Nord-ouest. Il a pris cher le bateau ? Il a pris cher. On aurait pu couler 14 fois. Hein. Va au nord-ouest. Tu lèves l'ancre. L'ancre, c'est ici, là. C'est le fameux truc qui est là. Tu prends un côté, je prends un côté. Comme ça, ça va plus vite. Là. Un côté. Voilà. Nickel. Tu prends la barre. Va. Nord-ouest. Là-bas, il y a un bateau aussi. Il y a quoi là-bas, en face de toi, là ? En face, là-bas. C'est un bateau qu'on voit au loin, ou... Nord-ouest. Au nord-ouest ? Bah maintenant il est non. À ta droite. Il y a un truc là-bas là. Ouais, je crois qu'il y a un bateau. Il y a un bateau. Ok, on va aller là-bas. On va aller là-bas. Ça doit être celle-là, je pense. Nord-ouest. Donc là, il y a la tempête sur la gauche. Nous on n'y retourne pas. Ça sert à rien. Hein. Heureux. Là où il y a les mouettes, c'est peut-être là où il y a le... C'est là où il y a eu des morts automatiquement. Mais... Le vent il souffle comment ? Ok. Il souffle là. Allez, on continue. C'est bien celle-là, hein, je me trompe pas. Mmh. Ouais, bien sûr, chicken truc. Ouais, tu peux aller en bas et mettre la carte pour que je puisse la voir, vue de dessus. Tu la mets sur chicken. Ouais, c'est bon. Il faut que tu prennes plus, un petit peu plus à l'ouest. À l'ouest, ok. Donc c'est celle-là, c'est celle que j'ai en face. Oui, mais il faut pas la contourner. Et le truc, il se trouve où ? Contourne par la gauche. Sud-ouest. Il faut aller au sud-ouest de l'île. Bah, à gauche.
Là on arrive. Attends, par quel regarde. Côté là du coup. Ah, je vais te dire. Dessus, tu... on ouais, arrive dessus, par le sud-est. Arriver, donc, on va arriver sur le sud-est. Ouais. En fait, il faut que je la traverse. Donc, tu, en fait, tu la contournes par la gauche et tu t'arrêtes. Voilà, là, c'est tout droit. Voilà. Tac. Tu le vois le point là ? Il y a un truc qui brille dans l'eau là. C'est ce qu'on appelle une sirène si je me trompe pas. Là-bas. Ça là. Ouais. Et j'entends des bruits de squelettes. Ah ! Attention, attention, faut taper dessus, je crois. Tape dessus, mais ça te fait perdre de la vie. Ah putain, c'est quoi? Putain, il y a des squelettes aussi? Ouais. Voilà, nickel. Ça, tu peux le prendre, le ramener. Et je vais manger une banane. Donc c'est ça l'objet qu'on cherchait? Non. Tac. Attends, 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 y'a mon frère qui me parle. Qu'est-ce qu'il me dit? Tac. Parce que du coup j'ai pas du tout aimé le stream. Oh putain. Tiens-toi tout droit. Vas-y donc. Là. On doit t'ouvrir un coffre. Ah mais moi je suis déjà remonté sur un navire. Ah oui, mais parce que tu dois laisser le rubis. Ouais. Attends, j'arrive. Et là, le navire, il se trouve où? Sud-est? Attends, je te dis ça. Sud-ouest. Hop. Je mange sous l'eau. Le navire, il est... au sud-ouest. Donc là, il est... c'est pile poil là où il faut. De quelle année ce jeu? Il est sorti en 2018 et mis à jour tous les mois par Rare. Et je crois que là d'ailleurs il y a un event. Il y a un event. Donc là on fait la partie histoire du jeu. C'est ce qu'on appelle des fables et on fait la fable 1. Là-bas il y a un tonneau. Ou... ah, ça doit être cette île. C'est obligé, c'est cette île. J'ai confiance. Je fais tout le tour de l'île. Ok. Je remonte.
Eh, c'est ouf qu'on le trouve pas. Putain, mais il est où ce putain de coffre? Ah putain. Qu'est-ce qu'on cherche sur la bonne île? Bah encore une nouvelle fois, cette fois-ci, on va quand même vérifier. Reprends le bouquin. Et attention, il y a des requins. Il y a un requin à côté de toi. Oui, mais je viens de voir. Ouais, pile. Il m'a bouffé, oh. Voilà. Parce que j'ai presque plus. Alors, ancré au sud du Discovery Bridge, fuyant vers le sud-ouest. C'est ça le truc du bouquin là? Après, il te dit quoi? Passant à tribord d'un grand nid d'îles enchevêtrées? Non, c'est pas ça. Passer de petites îles peu profondes à tribord. Non, c'était pas ça. Toi, c'était île fortifiée. C'est ça, hein? Ouais. C'est côté sud-est qu'il faut aller. Chicken, côté sud-est de l'île. Donc c'est de l'autre côté, en fait, de l'île. Traverse ton île, là. Il fait déjà nuit. Oui. Tu te fais chier. Allez, c'est là. C'est là. Je vois ça. Déjà. Prends. 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 Et ça va être par là. Donc, côté bateau. Donc là. Là. Ouais, mais j'y étais là. Et t'as cherché? Bah ouais. Ça doit être par là, c'est pas possible. Il fait nuit. Il y a la chanson, il y a la musique. Ah ouais. Ouais, mais on est trop loin là de l'île. On est trop loin de l'île? Bah, je pense. Bah, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Là. Non. Putain, j'ai plus de nourriture. C'est la deuxième partie celle-là, hein. C'est même pas la troisième. Hein. Et il est quelle heure? Et il est 23h. Okay. Bon, au moins on a un petit rubis. On tire?
C'est toi qui tire ou? Ouais ouais. Ok. J'ai pas shooté. J'ai pas shooté. Ah il m'a tué. Sérieux? Ouais. Il était trop gourmand. Alors attends parce que... Au sud-est de l'île. Sud-est. En fait c'est là où il y a le bateau au sud-est. Tu sais que... Tu sais que... Non ça va. Bon. Sud-est. En fait c'est sur le nord du poulet en fait. C'est ça qu'il veut dire. Tiens vas-y j'ai écopé. Tac. Putain, tu me donnes deux petites secondes. Elle est où l'île? Ah ouais c'est bon. On est en pleine dans la... Putain, j'ai déjà zappé. Comment elle est l'île? Ah. Ouais, tu te fous de ma gueule. Attention. Ouais. Y'a un putain de requin qui vient de... Tac. Donc je traverse l'île. Tac. Sud-est, c'est là quoi. Moi, si ça c'est l'île, sud-est, c'est là où il y a le bateau. Hein. Attends, on s'est peut-être trompé de. De quoi? Bah, de l'île. Pour arrêter ces conneries du sud et d'est, une fois tout de suite suivant comment on est tourné, ça change tout. Mais non, ça change rien. Il faut être côté sud-est. Alors tu sais quoi? Voilà, on fait ça. Sud-est. Voilà, c'est là. Il faut aller là. Allez, je retourne dans l'eau. De ouf. Il y a la musique qui commence. Obligé, ça doit être par là. Non, lâchez où? Ouais, quand je vois la photo, ça n'a rien à voir. Plein dans la tempête. Non mais on va se taper les tempêtes toute la nuit, tout à chaque fois. Non mais au lieu là de aidez-nous. Vous comprenez pas qu'on est perdu. On est dans une île de merde. Il fait que pleuvoir, c'est pire que Koh-Lanta. Y'a que des requins. Allez, vas-y, Rocky. Tac. Ah putain. Hey, tu te rends compte, c'est la première. Attends, je regarde là. Regarde, toi, triche. Fais comme d'hab. Il y a un requin là. Ouais, voilà. Heureusement qu'on a mis l'encre. Allez, vas-y, reviens. Putain. Voilà, allez. Je fais comme... Mais oui.
Mais non, mais même avec... On est en train de tricher. Si tu veux tout savoir, je vais pas te montrer mon screen, mais je suis sur le... Je suis sur jeux vidéo online. Et nous disent... Donc, en fonction de la quête qu'on a, ce qui est celle-ci, c'est l'île Chicken Island, ou Chicken Isle. Et côté, il y a encore des squelettes. Et il faut aller côté sud-est. Côté sud-est. Quand tu prends... Et tu regardes, côté sud-est, c'est par là. Et là, il y a encore des squelettes, ils sont... Un truc de ouf. Allez. Ouais, franchement, par contre, c'est des squelettes de merde. T'as du bol. Tac. Sud-est. Là. Allez, j'y retourne. Attends, j'arrive. Donc t'en es sûr que c'est cette île? Mais c'est pas... Reprends le bouquin. Reprends le bouquin. À cette étape-là, c'est bon, tu l'as le bouquin ? Ouais. Voilà, on va, je vais même le prendre pour montrer à tout le monde. Comme ça, au moins, je partage et je montre. Voilà. Donc, dans la quête, ils nous disent au sud de Discovery Ridge. C'est ce qu'ils me disent à 6h30. Ensuite, en fuyant vers l'est. C'est ce qu'ils me disent à 6h47. Passer sur une île. Passer devant une île fortifiée. Je crois que c'est ce qu'il dit, non? Attends. Je vais le mettre sur la carte pendant que tu l'as. On est passé sur une île fortifiée, cap nord-est. Attends. Modifiant le cap. Tu dis quoi? Au sud de... Attends, nord-ouest de l'archipel. Jeter le coffre à l'eau au sud-ouest. Attends, reste devant ça. Au sud-ouest, on met le cap à l'est. Sud de Discovery Ridge. Ça c'est bon. J'entends les squelettes. Vers le sud-est. Donc, vers là. D'accord. Et c'est des îles plates sur tribord. T'entends les squelettes toi ou? Sur le bateau. Il y a que moi qui entends. Non. Non. Ah, il arrive. Tu veux pas te remettre sur le livre? Là, moi je suis sur la carte, comme ça je pointe en même temps. Tu veux quoi? Mets-toi sur le livre. Tac, tac. Ok. Jeter l'ancre au sud de Discovery Ridge. Le capitaine est allé à terre. Ok. Bon. Tu démarres de là. J'y suis. Du sud. Le Burning Blade. Nous fuyons vers le sud-est. Il nous prend en chasse. C'est bon. Ok, donc tu traces un trait. Ouais. Laisser des îles plates sur tribord. Tribord, les gars, c'est quoi? C'est côté gauche ou côté droit? C'est à droite. C'est sûr? T'as regardé? Ouais. Ok. Oui, oui. Attends, il y a des squelettes. Attends, je reviens sur le bateau. Sinon, ils vont me saouler. Tac, tac. Alors, laisser des îles plates sur tribord, cap à l'est, nord-est. Ouais. On a passé une île fortifiée. Donc, tu as dû croiser une île fortifiée. Cap au nord-est. Ah. Ouais, c'est ça, l'île fortifiée, c'est Lost Gold Fort. Ok. Cap nord-est. Et c'est là où on est. Jeter le coffre à l'eau au sud-ouest d'un archipel devant nous. On est passé cap est. Non, ça peut être là. Donc au sud-ouest. Mais du coup, sud-ouest, en fait, c'est pas là. Parce que là, c'est sud-ouest, c'est sud-est. Et j'ai peur que ce soit ça là-bas là. Attends. Si je prends ça. Et
Donc ils ont dit sud-ouest. Et là. Sud-ouest. Là. Pile sous le bateau. Ouest. C'est quoi les îles plates? Bah, c'est des îles plates. Et j'ai plus de souffle. Je remonte. Je vais crever. Quoi? Je vais regarder. Mais ça doit être par là, c'est pas possible. Même en trichant, on n'y arrive pas. C'est chaud. Bâbord, j'aime remonte à la surface. Pas sur le montre. Il est à peu près à 10 à 20 pieds du bord. Il doit être par là, tu vois, je l'aurais bien vu là, tu vois, posé là, tac. Mais non. Et en principe, t'as des musiques. Plus tu t'approches, voilà, t'as une musique qui vient de se lancer. Cette musique là, là. Ah, j'ai vu. Putain de ta mère. Culé. Putain. Ah merde, j'ai mangé le requin. Putain. Je vais vomir après. Oh non, putain, je remange le requin. C'est pas un requin, c'est le squelette. Non, je veux pas ça là. Moi je fais pour. Non, mais je veux pas ça. Bon, vas-y, je m'en fous, je la bouffe. Ça me rend malade. Attends, tu sais quoi? Pas sûrement trop proche. Et t'as des fruits ou pas? Non. Ok. Et du poulet, on peut pas les niquer et les cuire? Et ça va toi la vie? Hein? Oui. Bon, c'est compliqué parce que personne n'a la même quête. Non, en fait c'est que cette quête se joue en 4. T'as 4 différentes. Mm. Sauf que bon, là on n'est pas con, on a la truc, on est au bon endroit. Elle s'appelle bien Chicken Isle. Lisa. Ouais ouais. C'est pas possible, c'est par là, je te dis, on est à côté, il est pas très loin, c'est juste qu'on est vigoureux, putain. Ouais, je suis même prêt à me noyer. Retourne à la musique, oui, ça je suis d'accord. Elle vient de se lancer la musique là, non? Là.
je replonge. Ouais, ça peut que être là. C'est pas un coffre ça? Non, c'est une merde. T'es où toi là? Tu es là. Bon, allez, chercher le coffre. En même temps, c'est quoi 15 à pied? Comique. C'est l'épisode 1, oui. On galère déjà. Attends, il y a le frère qui est parti voir. Non. Ouf. C'est l'épisode 1 et c'est sur l'île. Chicken. 5 mètres à la louche. Donc 15 pieds, c'est 4-5 mètres. Oui, donc c'est par là, quoi. Là où il y a la chanson, comme par hasard. Je dis pas qu'il faut creuser. Non, il faut pas creuser, ça marche pas souvent. C'est là où t'as des plantes. Attention, t'as un requin qui arrive. Ouais, mais il est déjà bien amoché. Ouais, mais... Il est parti où? Bâtard. Il est là-bas. Il y en a deux même. Ouais. Non, j'ai plus tout. Oh putain, il y a les squelettes aussi. Le bâtard. T'es où toi? Je suis remonté sur l'île. Paf. Putain. Je trouve pas Greg, putain. Bah moi non plus. Allez, 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 allez. Tiens, j'ai encore bouffé du requin cru. C'est quoi cette quête de merde? Merde, je suis malade. Bah ouais, tu vas vomir. Non, quand t'es malade, tu vomis comme une merde. On te voit gerber, c'est dégueulasse. Ah, ça y est. Bon, on va trouver ce truc de merde. Mais pas du tout. Non, non, on est à la deuxième étape. Il n'y a pas de poulet à trouver. On a trouvé le truc de bord, là. Ah, il y a des squelettes. Il devrait briller. Je sais pas, moi j'aurais mis un temps de... Tu vois là, je l'aurais bien vu là, avec les petits poissons là. Je crois que c'est pas la bonne île. Bah j'ai regardé. On en a fait trois, c'est la troisième. On repart voir l'autre hein. Non, pour moi, si tu suis le plan, c'est ça là. Ah merde, j'ai plus de munitions. Ouais, tu vois, il nous dit bien que c'est là. Même mon frère m'a dit ça. On est bien au bon endroit, mais où?
combien tu paries que c'est Honor ou une connerie pareille. Attends, tu sais quoi, on va regarder le truc de Millennium. Fable. À Millennium, ils disent que c'est une autre île. Non, parce que Millennium n'a pas énuméré la même quête. Ouais. Donc attends, je vais juste voir. Okay. Putain, 2h20. Ça fait 2h20 qu'on joue. On n'a pas fait une quête. Ah mais je m'en fous, hein. On va le trouver ce putain de coffre. Même si on s'arrête à partir du coffre, on le trouve. Attends. On va enclencher le mode tricheur. Le mode tricheur, il y a tout le monde est en mode tricher. En mode triche plutôt. Ici, je crois que vous êtes bien. Le seul truc que je veux savoir, c'est est-ce que c'est au nord-est, est-ce que c'est au sud-est. Et c'est vrai que... Ah, on ne le dit pas. Trouver un coffre antique. Bien que vous ayez... Non, il faut maintenant étudier l'identité. Pour gagner le temps, il est utile de retracer le bateau. Lui, il donne pas à lui. C'est quoi sa solution? C'est quoi? Lisez les démerdez-vous. Lisez la quête. N13. Deuxième étape. Avoir récupéré le journal de bord. Nanana. Des blocs. Oui, c'est 2 pages. Nanana, ça c'est bon. Fouiller les profondeurs de l'île pour trouver le trésor. Et ensuite pour débloquer. Ouais, non, mais tant qu'on le trouve pas, en fait, il devrait quand même nous montrer, putain. Elle nous dit quoi, cette connasse? Attends, c'est simple, on va faire les 5 îles. Jeter le coffre à l'eau au sud-ouest d'un archipel. Donc c'est bien au sud-ouest. Si je me mets là, sud-ouest. Tac. J'y suis. Là. J'arrive tout droit. Par contre, t'as du fruit ou pas? T'as des fruits? Attends, je vais aller en bas. Ancré sur le côté sud. Cuire des bananes? Sérieux? Oh, trop bien. Attends, dans le journal, ils disent qu'on passe devant, quoi. Je pense avoir la réponse. Dire. Non mais là ce qui nous sauve c'est si un mec a streamé sur cette... Non, j'ai les 6 îles potentielles. Non c'est pas, il y en a pas 6, il y en a 4. Non, il y en a 6. C'est encore après, non ça c'est celle d'après. Non, le coffre antique. Le coffre antique, il y a 6 îles potentielles. En fait il y a 6 différentes quêtes en fait. Ok, donc t'es en train de me dire que c'est peut-être pas celle-là. Mais, attends, je vais relire et je vais te dire ça. Alors, laissez les îles plates. Vas-y, je me fais défoncer par un truc. Un requin encore. Oh merde, j'ai pas pris de munitions. Oh putain. Greg. Oui. Attaque de requin.
Et je suis mort. Attends, parce que... C'est pas grave, c'est pas grave. Quoi, tu crois qu'on nous a envoyé... Mais même ouais, tu as raison. En fait, il y en a 4 pour Discovery Ridge, il y en a 4. Oui, mais du coup, quand tu regardes, c'est bien celle-ci. Je vais te dire. Attends, je vais bien lire. Laissez place Tribord Cap à l'Est. Allez, ouvre-toi là. On a passé une île fortifiée. Donc c'est pas fou, c'est pas Snake Island. Ah oh, putain. Bien, quand je regarde mon téléphone, on voit ma calvitie. C'est ici. Sud-ouest, c'est exactement où il y a le truc. Non mais c'est pas possible, au bout d'un moment faut l'accepter, c'est que c'est pas cette île. Je reviens. Fuyons vers l'est. T'es en train de lire là? Ouais ouais. Vas-y attends, je me remets. C'est quoi? Sud, donc Discovery Ridge. Après alors ils disent au sud au sud-est de Discovery Ridge. Ouais, sud-est de Discovery Ridge. Après donc Old Salt Atoll, ça c'est les îles plates, c'est ça le truc qu'ils disaient. Je pense qu'ils disent laisser les îles plates sur le tribord cap à l'est nord-est. Ça veut dire que sur le tribord, c'est à droite, c'est ça que tu m'as dit. Hein. C'est ça. Tribord, c'est à droite. Cap à nord-est. 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 Est, nord-est. Droite, au droit. Nord, nord-est. Donc c'est Fitness Trading Post. Ok. Après ? Après, on a passé une île fortifiée, cap au nord-est. On a passé une île fortifiée, ça peut être ça. Thunder Valley. On a passé une île fortifiée et tu m'as dit cap au nord-est. Tac. On passe par là, nord-est. C'est bizarre, moi j'ai Fool's Lagoon. Ah bah elle y est aussi dans le truc. Ah bon? T'es sérieux? Elle y est. Ouais, elle y est. Eh ben j'aurais dit plutôt celle-là. Tu sais quoi? Bah, alors, tu sais quoi frérot? Il y a Snake Island, Fool's Lagoon, Lockbow Point ou Chicken Eyes. Ouais, bien, on va là-bas, c'est bon, on a fouillé, ça fait une heure qu'on est sur cette putain d'île. Et en fait, c'est celle qui était au nord. Ne dis pas ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'il dit, on est passé. Donc si on est passé, c'est par le dessus. Et automatiquement, nord-est, ça devient ce... Putain. Donc il faut continuer, en fait. Vas-y, je lève l'ancre. Du coup, cap. Je retire les remerciements du site que j'avais cité avant. Cap nord-nord-est. Nord-nord-est. D'accord. Tu me dis quand c'est bon. Nord-nord-est. C'est ce qui est en face de toi là-bas, je pense. C'est ça, ouais. Ou pas? Ouais. Voilà. Et ben, c'est la petite île qu'il faut aller là-bas. Bien sûr, il y aura la tempête, le kraken et le mégalodon. Et on va mourir pour la 30e fois. Tu vois, pour être droit, faut que tu mettes la barre avec le truc en vert. Ça veut dire que ta barre, elle est droite. Tu vois là? Ça veut dire. Ouais, c'est bon, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, après, cette connasse, elle a dit. Et full. Je sais pas quoi là, c'est quoi? Fool's Lagoon côté ouest. Fool's Lagoon côté ouest. Combien tu paries ça va être ça? On a perdu une heure là-dessus. Par contre, faut pas que tu ailles tout droit là. Hein. C'est à droite là. J'ai à droite? Non. C'est un tout petit peu à droite.
Un tout petit peu. Légèrement à l'est. Là, c'est tout droit. C'est bon. Là, c'est bon. Redresse tout droit. Là, c'est bien. Tu vas tout droit. T'aurais pu me le dire avant que la barre verte, c'était au milieu. Voilà. Et ben. Voilà. C'est ici. C'est côté ouest. Tac. Ok. Tu te mets devant là. Et je saute dans l'eau. Ça doit être proche de là. Putain, j'ai plus de munitions. J'en ai pas pris. Mais voilà. Dis-moi que c'est par là, s'il te plaît. Allez, mets la musique. Putain, Greg, y'a pas la musique. Y'a pas la musique ? J'entends pas de musique. Bon, y'a des trucs là-bas. Ça n'a rien à voir. Encore un squelette. Un coffre, si tu veux. Il y a plein de coffres. Voilà. Voilà. Vas-y, je te ramène ça déjà. Ah, t'es bien loin. Hein. Ah, vite. Voilà, allez, on amène ça là-bas. Il nous dit... Désolé, j'ai tout raté. Oh, t'inquiète pas, on a... ça fait 2 heures qu'on est au début. Et la musique elle est censée faire quoi? En fait quand la musique s'active la plupart du temps c'est qu'il y a quelque chose. Ah attends, je vois un truc qui brille. Ouais. Mais c'est pas le coffre qui doit se trouver en principe sous l'eau. Hein. Quoi? Ah tu vois un truc dans l'eau? Ouais. Ah c'est peut-être ça alors. Dis-moi que c'est ça s'il te plaît. Non mais c'est tout petit. Oh non. Non non c'est un coffre. C'est pas ça. Putain, j'en ai marre. Et y'a un truc qui brille rouge. Ouais, mais y'a aussi des trucs là-bas. Peut-être un rubis. Non, mais je suis trop loin. Caisse de bois, tiens. Une caisse en bois. Y'a des squelettes sur l'île, hein. Ils sont vénères. Oh ouais. Je suis trop parti. J'ai pris du... Ben, on a du bois en tout cas. Si tu te prends un rocher dans le bateau, bah, t'inquiète pas, on peut réparer. Putain, ça nage lentement. On veut ce coffre, putain. Si, on te lit, Ahmed. On te lit, mais c'est assez complexe de jouer avec les deux. Et on cherche depuis 1 heure un coffre sur une île et on sait pas c'est quelle île. On n'arrive pas à la trouver. Ouais. C'est le grand frère. C'est celui qui protège. Jamel, il en a deux, même des frères.
Ah non, il y en a qu'un. T'as trouvé ou pas? Pas du tout. Ah, il y a un requin qui m'a pris par derrière. Il m'a bien niqué ma mère. Ah putain, j'ai pas vu. Ah, c'est pas vrai. Non, je suis en train de regrouper les informations. Ah, il y a... y a Matt. Hello Matt. Ravi de te voir. Alors, ouais, alors oui, je suis navré. Quand je joue, je dis des gros mots, donc. C'est gentil, Mathieu. T'as toujours pas trouvé? Non. Je te jure, c'est abusé. Parce que si on se réfère à ce qui est écrit sur notre journal de bord, oui. C'est Chicken Island, c'est je veux pas avoir une autre. Moi je trouve pas celle-là. Moi je trouve celle-là, Fool's Lagoon. Bon ben... Je replonge. Par contre, non, mais peut-être si tu trouves l'autre, ok, mais dans l'autre, ça non, fait... non, moi je te dis par rapport à jv.jeu online. Regarde. Il y a Mathieu qui vient d'arriver. On va juste lui montrer. Tiens, tu peux venir sur le bateau et juste te mettre au niveau de la carte. Vous voulez ouais, en fait, non, mais on est déjà parti chercher la solution, mais on la trouve pas même avec la solution, donc peut-être que tu vas nous aider. Tac. Alors, attends, je te montre où on en est. Ça fait... Voilà, on est là. Mathieu, t'as la carte qui est ici. On doit tracer le chemin du bateau qui a échoué. Donc voilà ce qui est marqué sur le tableau de bord. Jeter l'ancre au sud de Discovery Ridge. Discovery Ridge, c'est celle qui est juste ici. Donc on a mis le petit point. Le capitaine est allé à terre. Burning Blade, c'est un autre bateau. Nous fuyons vers le sud-est. Vers le sud-est, c'est ici. Pour moi, on arrive à Old Salt Atoll. Il nous prend de chasse. Laisser des îles plates sur tribord. Donc, il a laissé les îles plates ici à tribord. Donc, à ta droite. Donc, tu remontes. Cap à l'est-nord-est. Est-nord-est, pour moi, c'est Finestradin Post. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il y a un décalage de 8 secondes, donc je dois attendre. Ensuite, on est passé sur une île fortifiée, cap au nord-est. L'île fortifiée, c'est celle qui est en haut, juste là. Donc, Plunder Valley. On a passé une île fortifiée. Donc pour moi, si c'est cap nord-est,
Ouais, c'est qu'on est passé soit au-dessus, soit à droite, je sais pas. Mais nord-nord-est, pour moi, on passe au-dessus, pas en dessous. Et c'est là qu'ils ont décidé de jeter le coffre à l'eau au sud-ouest d'un archipel. Le problème qu'on a, c'est laquelle ? Ils l'ont laissé sur Fool's Lagoon ou Chicken Island. Ça fait une heure et demie, je crois, qu'on est à Chicken Island. On n'a rien trouvé. On s'est dit, vas-y, on va aller là. Et ça n'a pas l'air super. Voilà, je remontre. Quel est l'âge du capitaine ? Je ne sais pas. C'est pas indiqué. Mais je sais pas si ça va répondre réellement à nos besoins. Je sais pas si c'est la réelle solution. Non mais je pense que c'est celle-là. Laquelle ? Ah là, celle où on est. Oui mais tu penses parce que tu... Bah, je... Par rapport... Oui, mais pourquoi ce serait pas celle d'à peu près ? Tu vois, c'est pas faux non plus quand tu dis nord-nord-est. C'est vrai que ça peut être... du coup, si tu passes par en dessous. Par en dessous de truc fortifié, là, je sais plus où elle est. Elle est par là, je crois. Elle est là. Si tu passes par en bas, nord-nord-est, et après, ça peut être Lost Gold Fort. Non, elle y est pas dans les trucs, elle. Ah bon ? Donc c'est non. Chicken Island... C'est quoi qu'il y a dans les trucs ? Chicken Island ? Fool's Lagoon ? Snake Island ? C'est là où on est. Ok. Snake Island ? Lookout Point. Lookout Point. Ouais. On l'a fait déjà, celle-là en plus. Et c'est quoi l'autre ? Snake la... Ah, ce serait là-bas ? Eh, c'est celle à droite, hein. Si tu veux, on peut y aller, hein. Ouais. Après c'est... Attends, je vais te montrer ce que j'ai trouvé, je vais te l'envoyer par message. Snake la police. Attends. Je lève et on va à Snake, on est d'accord. Ça fait de plaisir. Moi je me pends en haut du mât. Hein. Alors là, faut que j'aille à droite. Donc à l'est. Je lève l'encre. De suite. Passer entre les deux rochers. Attention. Donc c'est celle qui est tout droit là. Là en face. C'est peut-être Snake Island. De quoi ? C'est peut-être Snake Island. Eh mais attends, va devant là. Prends le harpon. Et tu tires. Voilà. Au moins, on a pris un truc. Attends. Et c'est où Snake là ? Je suis toujours bon ou ? Ouais, maintenant, je tourne. Et comment tu sais qu'on a pris un truc ? Il reste accroché. Bah, toi t'as rien pris. Ouais, il reste pas accroché. Ouais, parce que toi t'as pas pris. Regarde derrière toi, moi j'en ai pris un. Ah, c'est pas la bonne île. Ouais, je sais, je sais. En fait, elle est derrière. C'est quoi là ? Essaye de choper le Kraken. Mais non, mais t'es sérieux toi ? Attends, on va taper, on va taper. Non, c'est bon, on est loin en fait. C'est celle qui est derrière. Et nul.
7 qui est derrière là. Voilà. Là, on y va. Tu vois ça là-bas, là, le squelette. Voilà, c'est tout droit. C'est tout droit. Est-ce que ça, c'est bon? Ok. Et si c'est Snake, c'est de quel côté, du coup? C'est ou pas? Sud-ouest. Sud-ouest. Ok. Et là, on comme est... indiqué. On a un peu bougé, je crois. Attends, je vais voir. Ouais, parce que tu t'amuses à taper dans un truc, mais tu... Ah, je découvre, excuse-moi. Non, je vois rien. Sud. Nord. Ouest. Ok, on est au nord. Sud-ouest. Il faut que tu contournes par la droite. Ouais, ouais. Là, là, maintenant. Ouais. Voilà. Tac. Allez, c'est notre dernière... Tu verras que ce sera celle-là. Je sens bien. J'espère. Je sens bien. Allez, tu veux un peu de... On va passer entre les deux. On va un peu jouer. Allez, on passe entre les deux. Les gars, regardez. Ah, je vois briller là-bas. Regardez, les gars. Une sirène. Regardez. Ah. Est-ce qu'on est bon ou pas? Putain, lâche l'encre. Bah, elle va la lâcher toi, moi je suis devant. Putain, mais t'es nul toi, tu me sers à rien. On y est là, les gars. Ça... Putain, je suis tombé à l'eau. Alors attends, du coup maintenant. On a dit. Sud-ouest. Sud-ouest. Bah, on y est là. Y'a la musique, Greg. Mais t'es où, je te vois pas? Sous le bateau. Ouais. Il y a la musique, Greg. Sud-ouest. Ça doit être par là. J'ai plus de... Tac. J'entends le chant de la sirène. Ah, il y a un truc qui brille là. C'est quoi ça? Greg, on l'a. On passe à la suivante. Elle est là. Tiens, viens la récup. Je te laisse au moins ce. Pas, je me dois. C'est sérieux? T'arrives. Pile au-dessus. Voilà. Putain. Allez, on finit dans 2 heures. On passe à l'étape 3. Juste là. Putain. Je peux l'ouvrir ou je le prends? Tu le prends, tu le montes et on l'ouvre. Attends, mais après il faut trouver une grotte. On a le choix entre plusieurs. Plusieurs. Oh, ça nous prend juste 6 heures cette fois-ci. Alors, nickel. Tiens, mets-le là, en bas, là. Là où il y a tous les coffres. Ça, s'ils viennent nous niquer, ben au moins, on perd tout. Et on l'ouvre. Voilà. Tout ça pour ça. Donc là, tu l'as, le totem scarabée. Donc le totem scarabée, il faut aller à Crook Hollow. Allez, je lis même pas. Je vais direct à Crook Hollow. Ah, ça, t'as appris par cœur le... Non, je suis en train. Tac. Crook Hollow, c'était pas là où on était à un moment? Au début. C'était la première étape. Putain, c'est à côté, c'est juste là. C'est à l'ouest. À l'est. Pardon. Tu conduis? Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Donc attends, on est. On va faire du harpon. On va. J'ai dit qu'il fallait aller à l'est, donc à gauche. Oui. On va aller à l'est. Tac. Tu vas aller sur l'île un peu? Non. Ah, j'ai vu quelque chose. Et quoi? Un poisson? Et je fais comment? Pour le remonter? Attends, mais...
tu le prends, il reste accroché à ton truc, mais t'as toujours pas pris le... Quoi ? Dans l'autre. Ça, en fait, ça veut dire que tu t'aides de ça pour te... C'est comme si tu jetais l'encre. Ah, merde. En fait, on fait un dérapage, du coup. Tu vois, il y a tout qui part à gauche. Par contre, tu peux enlever le coffre qui se trouve sur le pont là-bas, là. À droite. Le coffre. Tu es. Et j'enlève comment ? Ben, à un moment, il te dit... Y, je crois. Je sais plus où on va, là. C'était à l'est ? Ouais, c'était à l'est. Attends, je vais regarder. Non, mais c'était à l'est. En tout cas, je peux laisser, c'est pas un problème. Je vais pas te faire confiance, attends. C'est tout droit, c'est tout droit. Tout droit, tout droit. C'est l'île qui est en face de toi, là. Merci, Jocelyn. Il y en a qui suivent. Bon, je vais tout faire, hein. Je vais gérer le vent aussi, je vais... Ouais, bon, en même temps, on est contre le vent, donc ça sert un peu à rien de... La tête. C'est bien parce que... Ah, on est déjà arrivé. Ah non. Non, non. Il n'y a personne, mis à part au tout début où ils nous ont jeté le feu, là. C'est pas trop fait chier. Tac. Ouais. Ah, t'as vu, c'est quoi cette tête dans les nuages là, rouge? Alors c'est une quête. Quand tu t'approches, il commence à te parler, on dirait Disney. Et en fait, il nous envoie des bateaux pour nous niquer. Voilà. Et tu copes là, il doit être en train de... se dire, mais comment on parle? Soif. Bon, on est contre le vent, donc du coup, tu sais quoi? On avance pas. Ouais, on peut prendre son temps. Donc, allez, on va faire un petit truc marrant. Non. Du coup... Pourquoi il chante ça, ce con? Ah, attends. C'est bon. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? T'as regardé? Pas du tout, attends. Je crois qu'il faut aller sur l'île et chercher une grotte. Faut chercher une grotte et utiliser... Faut que tu prennes un truc, hein. Prends quoi? Vas-y, tu sais quoi, on va faire ça. Attends, je lis. Attention. Attention. Attention, on va peut-être taper. Ouh, comment je me suis trop bien garé. par contre, là-bas, il y a un mec qui a le feu. Attends, parce que fais-le plein de munitions. Hein. Je pense que c'est bientôt la fin. Donc, tu prends. Tac. Déjà, tu sais quoi? Je vais juste te voir un truc. Oh, lui, il brille là-bas. Ah, j'entends, ça tire. Mais c'est moi qui tire. Ah. Tu vois ou pas? Vas-y, viens, on va aller. Il faut que je prenne quoi en fait? Alors, dans le coffre, il y avait des trucs. T'as ouvert? Bah, là, j'ai rien pris. T'as même pas pris le totem. Bah, c'est le totem qu'il faut prendre. Non, mais prends pas le coffre. Voilà. Allez, on y va. Et j'en fais quoi du totem? Bah, tu le gardes. Alors, attends, parce que faut que tu lises aussi. Voilà. Alors là, il faut trouver une grotte, la grotte du scarabée. Se cache près des larmes de l'île. Donc en deux mots, larme de l'île, on considère que c'est une cascade. Et après, t'as des symboles. Donc ça, tu les vois les symboles? Tu les vois ou pas? C'est ceux-là. Ouais, j'ai vu. Mais tu vois, il veut que je le garde absolument dans la main, le totem. Oui. Ah oui. Nul. Bah t'es obligé de le porter si tu le portes. Sinon, il faut le laisser ici, il faut revenir une fois qu'on a trouvé le truc. Mais vu que c'est la clé du coffre, de la grotte,
Donc, et tu vois ces symboles là, il faudra ouais. les mettre, c'est important, il faudra les remettre. Ah, c'est un peu comme à Mario Party. Exactement, puisqu'il y a l'eau qui monte et il y aura des portes qui vont se fermer. Et d'accord, on est mort, on est mort. Tout ça, voilà. Je pense, mais bon. Bon, vas-y, attends. On va sur l'île, on continue. Je viens de me casser. Et où ? Donc là, il faut chercher. Merde. Donc là, il faut chercher. Lâche le totem. Dans l'eau ? Je crois. Non, t'es pas sérieux. Tu jures ? Non, mais t'es pas sérieux. Putain. Ah non, il est sur. Oh, regarde. Il est où ? Attends, je t'envoie un screenshot. Attends, attends, j'arrive, j'arrive. Ouais, mais t'as envie de la péter. Bon, attends, vas-y. Attends, je vais le prendre. Je veux juste aller tuer. Parce que. Viens, 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 il y a. Non, je te suis parce que sinon je vais le faire tomber. Vas-y, vas-y, il y a le. Putain, il est bon, là. Il y a un squelette derrière toi. Bah oui, il s'en blague. Non, mais un deuxième. Derrière moi, pardon. J'avais pas compris. Il est en train de me tuer. Bah, pose ton putain de truc. Putain, oh, mais. Vas-y, viens, on se casse. On se casse, on se casse. Aboard, aboard. Attends, tu sais quoi ? Tac. Je sais ce que je vais faire. T'es prêt ou pas ? T'es prêt ou pas ? Ah merde, je peux pas. Tire au canon. Je peux pas. Ils sont trop proches. Est-ce que je peux faire ça ? Attendre qu'ils arrivent là-bas. M'en fous. Toi ou pas ? Mmh. Maintenant. Putain. Attends, 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 attends. Oh putain. Bon vas-y, je vais. Je vais juste manger. Ça va, ça va. T'es où toi ? Dans l'eau. Et pourquoi t'es dans l'eau ? J'attends. T'attends quoi ? Bah, tu me permettes de plus de faire courser. Attention, hein, ils arrivent. Hein. Putain. Il y a aussi des requins d'après ce que je vois. Bon, je les ai tués. Ouais, mais il y a le requin derrière moi. Ah, il se défend. Ça y est, on l'a niqué. Ah, vas-y, tiens, je ramène aussi ça. Un petit crâne qui va nous donner de l'XP. Tout ça là, si on le perd, on a fait tout ça pour rien. Je te rends compte, c'est chaud quand même. Et t'as des mecs comme le Clear qui viennent et qui te niquent. Se cache. Ouais. Ah, j'ai trouvé la grotte. T'as trouvé une grotte ? Je sais pas, c'est bizarre. Est-ce qu'à un moment t'as pas un petit socle pour pouvoir poser le. Non, c'est pas une grotte. Attends, parce que. J'ai pas mis Jam, comment tu stream ? Je stream du Mac et je. Bien, j'ai trouvé la grotte. Parce que j'ai un décalage, c'est ça ? Il y a des symboles. Attends, 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 t'es où ? Oh putain, je me fais attaquer par un serpent. Non, avec OBS. Streamlab, ça prend trop de ressources. T'es où ? Parle. Ouais, je suis dans la grotte, mais. Ah, mais il y avait grotte. Un truc qui m'attaquait. C'est par là, je pense. Oui, il y a des serpents au sol. Oui, bah oui, il est là. Tue-le. Ça y est, c'est fait.
Là. Attends, il est là le socle. Putain, j'ai pris un peu de poison. C'est ça, je crois. Faut que tu le poses là. Pose la clé dessus, là. Voilà. Ici, maintenant. Attention, il y a des squelettes qui vont arriver. Bah, là où il y a la porte qui vient de s'ouvrir. Là. Là, il y a la porte qui vient de s'ouvrir. Attends, prends des munitions. J'en sais rien, prends des trucs. Ah non, j'enlève tout. J'ai plus beaucoup de vie en plus. Hein. Bah, prends. Ah, j'avais pas vu. En fait, après, tu manges. Tiens, sinon. T'as pas assez. Ouais, t'as tout pris. Bah, tiens, prends. Je te le donne. Non, c'est... Non, mais c'est bon. Bon, allez, on rentre. Attends, je mange. Ah, attends, attends, ils arrivent. Putain, comment je te protège, gars. Bon pas. Je suis en train de manger. T'es là et moi je me tape avec tout le monde. C'est bon pas? Oui. Allez, t'es rentré dans la grotte? Non. Bon. Et toi? Alors là, il faudra réfléchir. Je te laisse mettre ta main. Laisse mettre ta main. Comment ça, tu peux pas? Alors, tu crois qu'il faut faire un truc? Tu peux pas mettre ta main? Non, alors peut-être qu'il faut tourner un truc. Ouais, regarde, il faut tourner. Ah ouais, là. Il faut tourner. Alors. Lever le bras zéro? Il y a 4 symboles. 4 symboles. Tu crois que c'est ça? Là, il n'y a pas de symbole encore dessus. Attends, je vais lire le livre. Attends. Lever la lanterne. Attends. Comment on l'allume? Ah, voilà. Ah, attends. Y. Il faut allumer les... Tac. Attention. Hein. Je pense qu'à partir de là, il y aura un truc. Voilà. Appuie sur le bouton. Là, il y a 4 symboles qui viennent de s'afficher. Et il y a l'eau qui monte. Donc faut arrêter l'eau. Comment? Bah, faut tourner les symboles. Faut mettre les 4 symboles. Alors c'est quoi comme symbole? Elle, ça y est, c'est fait. tu mets les bonhommes qui se tapent. Lui là. Attends. Lui, c'est fait. Bonhomme qui se tape. Tu mets quoi comme truc? Mais suis ça là. Qu'est-ce que tu comprends? Tourne. Attends. Non mais je mets lesquels? Vas-y, prends ton temps. On a le temps, il y a l'eau qui monte, c'est pas un problème. Voilà. Non, pourquoi? Cela? Bah non, pourquoi lui? Non mais c'est pas vrai, moi. Mais non mais là j'ai pas démarré lui. Oh là, putain. Là je fais la première ligne. C'est lui et ensuite c'est lui. Si c'est pas ça, est-ce que là je peux appuyer? C'est pas ça. On passe. Ah, attends. Là tu fais la dernière ligne. C'est quoi la dernière ligne? La dernière ligne, c'est Non mais regarde. C'est ça. Ici c'est 3. C'est pas ça. Attends, c'est peut-être pas la troisième ligne. C'est pas la troisième ligne. C'est la deuxième. La deuxième ligne, c'est quoi? C'est les vagues? C'est que des vagues, ouais. Et après, c'est la connasse qui tourne. Ouais, j'ai mal paramétré. Il y a un truc qui va pas avec mon iPod, mais c'est pas grave. Vas-y, va appuyer. Non, n'appuie pas, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ça. Vas-y, va appuyer. C'est bon? Oui. On a sauvé ou pas? Ah, c'est ça. Ça ou pas? C'est pas ça.
Pourquoi c'est pas ça? Oui, non, c'est non, ça. Ça a changé, ça a changé, ça a changé. Là maintenant, c'est la troisième ligne qu'il faut. Fais la troisième ligne. En fait, il faut tous les faire, on a tous les codes, mais c'est dans le désordre. Ça, c'est bon. Lui, c'est fait. Ça y est, je nage, putain. La troisième, c'est quoi, toi? Merde, ça, moi c'est aussi. Fait. C'est les vagues. Trois poufs, non, 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 c'est trois poufs. Trois poufs avec un petit soleil, ça. Même chose à droite, trois poufs avec un petit soleil. C'est bon. Ouais. Ah, maintenant il faut retrouver ça sur l'île. Il faut trouver un scarabée et au sol, il y a un truc. Il faut trouver sur l'île un scarabée. Donc ça, vas-y, on est sorti et on n'a rien gagné là, même pas de petites pièces, même pas un petit bravo, que dalle. Arrête avec le langage, mais non, je vais pas me priver parce que voilà. Alors, tac. Tu t'as vu où c'était ou pas? Pas du tout. C'est peut-être en dessous. Alors là, non, c'est pas ça. C'est peut-être là. Là, il y a le scarabée, c'est la grecque. Et où? La rue. Joseph de Zemmour. Ici. Alors là, maintenant, en fait, tu vois, il te pointait ici, au sol. Donc en fait, tu vas prendre ta pelle. Pourquoi est-ce qu'on peut pas taper avec? Et tu creuses. Et tu te mets pile devant et tu creuses. Voilà. Et là, ça va venir. Et toi, tu continues. Ah non. Derrière toi, derrière toi. Ah. Une armure. Là. C'est bon. Vas-y, tu continues de creuser. Tu verras un moment, il y a un coffre qui va sortir ou quelque chose qui va sortir, peut-être un symbole. C'est bon, là tu peux le prendre en principe, non? Il faut creuser un peu. Un médaillon. Vas-y, viens, on retourne dans la grotte. Il faut le poser là, le médaillon. Et à mon avis, il va nous donner une deuxième. Oh putain, j'ai plus de manette. J'ai plus de batterie. Ok, attends. Deuxième symbole. Ça ressemble à quoi? Un truc en haut là-bas. C'est quoi? C'est la cascade, non? Mais c'est à côté alors. Vas-y, viens. C'est là à droite. C'est ça? Cette cascade là, il faut que tu creuses quelque part par là. C'était où? C'était là? Non? Non? Alors attends, je vais retourner voir c'était où. Je me rappelle plus. C'est dans l'angle. Hein. C'est vraiment là, là. Et là, je pense. J'aurais dit là. Vas-y. Voilà. Ça va arriver. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre qui arrive? Derrière toi. Ah, je me suis pris le coup à ta place. Le médaillon. Ouais, et tu le ramènes.
après. Là, c'est un peu plus... Alors là, par contre... Mais voilà. Je sais pas où tu vois tout ça, toi. Lève-toi. Là, tu vois que t'as un rocher en forme de tête. Donc ça veut dire que c'est sur l'île, juste devant le nez du... Voilà comment je... Juste devant le nez. D'accord. Là, à mon avis, il faut monter. Il y a encore des trucs ou pas ? Non. Vas-y, on monte. On va monter. Je sais pas par où. Par là. Par là. C'est où ? J'entends les squelettes. Alors, je sais pas où il est le... Là, il y avait un chemin là. Oui, mais je cherche déjà si ici il n'y a pas une sorte de. Bah, si on voit pas la tête. C'est toi qui tires ? Oui. Ok. C'est peut-être en haut, hein. T'as peut-être raison. On va monter. T'es où ? Tu me suivais ou ? Je suivais, ouais. Ah merde, tu vois où je suis ? Non. Alors attends, j'ai arrêté, hein. Je suis en haut là. Je suis là. Quand je parle, je te vois là. Je te vois derrière toi. Derrière. Non. Reviens, pardon. J'ai bougé le micro, ça a dû faire du bruit. Maintenant à ta gauche. Ta gauche. Reviens vers moi. À droite. Non, ressors là. Putain, continue, voilà, à ta gauche, là, maintenant, voilà. Allez. Voilà. Attends, je mange. Tu fais que ça bouffer. Et là, il faut trouver une tête. Une tête. Ça doit être par là. Tu manges, mais en même temps, t'avances, hein. Pas par là. Ah mais tu peux pas te manger en fait. Ouh la tête. Ouais, y a des trucs là. Non. Quand même très beau, regardez. Si tu regardes comme ça. Ah, c'est un putain de panorama. Faut trouver une tête. Elle est où la tête ? Là-bas. Il y a un bateau. Hein. T'es où ? Je suis... Je cherche comme toi, je suis un peu plus bas. Il y a un bateau, Greg. Il vient sur nous. Il vient sur notre bateau. Ah, il est super beau le bateau, c'est un bateau pirate. Logique. Non mais c'est un bateau. Oui mais c'est un bateau d'enculé de pirate. C'est un vrai bateau méchant. Un méchant. Et je le vois même pas. Il est pile en face de nous. Limite ils nous attendent. Et de voir s'il n'y a pas personne dans l'eau là. Ah merde. Tu vois ou pas ? Tu le vois pas ? Attends. Je vais prendre du manger. Il y a un deuxième bateau qui arrive. Un deuxième bateau. Putain. On s'était pas fait. Et maintenant qu'on finit la quête, on va se faire niquer. Ah putain. C'est un Xbox. Un mec qui a acheté aussi la Series X. Et lui, carrément, il a fui. Hein. Il a vu le bateau, il s'est dit, vas-y, je vais contourner. Donc lui, il vient pas, en fait. Ça, c'est des bateaux squelettes. Hein. Je me trompe pas. Bon, ils nous attendent. Mais t'es où, là ? T'as trouvé... Je te cherche. Tu manges ? Je mange. Ah putain, mais il y a tous les squelettes qui sont là.
Ah oui, un truc, si tu vois des squelettes avec un gros tonneau TNT, tu fonces pas dessus. Tu fuis. Faut trouver la tête. Tu l'as trouvé ou pas? Non. Moi je pense que c'est par là. Je le sens bien par là. Mais là c'est par là où j'y étais. Là on voit rien. Ouais. Arrêtez-toi. Ouais. Ah attends, il y a un symbole. Mais il n'y a pas de symbole. Le bateau pirate il est parti. Il va s'attaquer à l'autre Xbox. Il a trouvé un autre. T'es où? On n'a pas une lampe torche plus haut? Non, t'as une lanterne. C'est la lanterne, c'est en bas à gauche. Ah putain. Tu fais piquer par un serpent. Cher. Allez, il y a la. J'entends l'orage. Ah non, ils sont en train de se péter. Regardez le combat là. Ah ouais. Xbox contre bateau pirate. Voilà. Ça, c'est tout ce que nous, on ferait pas. Par exemple, nous, on va de l'autre côté. On part. Attends, Jam. Il y a un canon, je vais leur tirer dessus. Mais non. Si. Tout en haut. Regarde. Oui, je sais qu'il y en a un, mais. Il n'y a pas de munitions. Je sais pas si tu le touches. Mais si, toi, t'en as des. Il faut trouver le truc là. Yes, je vais leur tirer dessus. Non, bah si c'était que ça, fallait monter dans le bateau. Y aller. Là, c'est pas là. Non. Non plus. Il y a notre bateau qui est là. C'est toi qui as tiré? Ouais, toi qui as tiré. Putain, c'est super beau quand t'as tiré. Il y a un deuxième bateau qui arrive à droite là. T'as vu ou pas? Il y a un capitaine squelette qui me course. Là-bas, il a éteint tout. Lui, c'est un bâtard par contre. Et pourquoi tu tires sur lui? Je tire plus là. Bah, je me bague du squelette. Mais qui c'est qui tire alors? Oh là là. Putain, je suis tombé de l'île. Regarde, il y a un combat de deux Xbox. Heureusement que nous on n'est pas là. Hein. On est que spectateurs. Et là il y a les mecs qui sont en train de nous niquer notre bateau. Ah mais. Tu tires sur quoi là? C'est toujours toi ou tu tires pas? Non, c'est pas moi, je suis tombé. Tu es tombé d'où? Du haut de l'île. Ah mais ça? Non. Ils veulent combattre, hein. Le cher, franchement, ils sont en train de. Ils sont en train de perdre. Je retrouve le canon pour leur tirer dessus. Bah, c'était tout en haut, non? Il est là-haut, là. Je vois, il est là-bas. Tout en haut. Vas-y, tu veux qu'on les aide? Voilà. Mais c'est toi qui tires là, non? Pas du tout, je suis en bas, moi, sur le. Bah, il y a le capitaine qui est en train de tirer. Là. Voilà. En train de chercher. Ah non, non, non. Il va aller
trouver un coffre. Ok, d'accord, je suis super loin, Greg. Je suis tout en bas. Là, ça y est, c'est bon. Il faut trouver le... Il faut le trouver, le truc, là. Ils sont en train de se battre, à eux deux, bah, qui s'entretuent, écoute. Il est où le truc? Trouver la tête. Une tête. Il y a une tête quelque part. Là, là, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Tu montes tout en haut, c'était à côté du canon en plus. Ah. Merde. Ah super, t'as ramené le chef. Il y a le capitaine qui est là. Ouais, ouais, c'était mon collègue. Bah c'était lui. Ah mais t'avais déterré le truc. Non, non, là. Arrête, je vais te montrer. Ce que j'ai trouvé. Attends, il mange des bananes, un cuir, depuis quand? Ça y est, mort. Merde, je te vois pas. Bah, je suis tout en haut. Mais t'as pas déterré, du coup, en fait. Ah non, je l'ai même pas vu. Ah, super, bah ouais, il rapplique tout là maintenant. Mais qu'est-ce que tu me fais avec ce coffre, là? T'es vraiment une pince, toi. Hein. C'est le médaillon qu'on cherche, le mec, il a trouvé un coffre. C'est quoi? Tu l'as trouvé où? Coffre d'aventure. Il était caché. Bah, vas-y, prends le médaillon. Tu l'as pris, le médaillon? Non. Non. Tac. Là, c'est bon. Attends, parce qu'en même temps, on a ça. J'ai le crâne. Merde, et le coffre? Bah tu le prends? Ah on peut pas? Avec le médaillon je peux pas. On peut pas le mettre dedans? Bah attends, on va descendre ça en bas. Il est où notre... Attends, j'ai une idée. Il est où notre truc là? Il me faut de la bouffe, je vais mourir. Notre bateau il est pas là non. Comment ça il te faut de la bouffe? Bah je suis tout rouge. Bah mange. Toujours pas? Mais j'en ai pas. Il y a les squelettes. Il y a encore putain. Xbox autour de notre île. C'est chiant ça. Et merde, me dis pas que je vais mourir. Mais t'es où? Toujours en haut. Mais descends. Je peux pas, il y a les squelettes. Oh là là. Descends un moment là où il y avait le coffre, tu descends. Je me jette. Croisé. Ouais, ben moi j'ai pris le coffre. T'es où? Moi je suis en haut. Ah, il est là-bas. Je suis en bas. Non, non, mais... Qu'est-ce que t'as fait? T'es saut, t'as sauté. C'est bon, ils sont morts, là. T'es où? Il y en a un qui est toujours derrière moi. Ah, vas-y, continue de parler, Vas-y, continue. Je vais à la grotte. Non, j'entends les... J'entends les squelettes. T'es où? En bas, sur la plage. Là maintenant je sais plus où j'ai laissé le squelette. Était assis là-bas, c'est bon. Ok, va remettre le... Attends, non, non, on ne va pas le remettre tout seul, sinon t'es dans la merde. Attends, je vais prendre ça. J'amène le coffre. Je vais ramener le truc, le squelette dans le bateau. Tu prends le bateau, mais... Le bateau, il est où? Il est à droite? Il y a le squelette rouge qui me tourne autour. Rouge. Un chef? Ouais. Il est orange? Il est rouge. Des pics? Mais t'es où? Ouais. En bas, sur la plage. Je suis sur la plage aussi. Côté fontaine, non. Côté... Je te rejoins. Côté cascade? J'arrive. Je suis devant la grotte, presque, là. Pourquoi ça s'est excité? T'es où? T'es là. Il est où? Ah oui, ah, c'est lui et tu peux pas le taper. Il n'y a plus de munitions.
Et t'as pas d'armes non plus. Attention, il va mourir. Attends, je vais manger. Tiens, prends. 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 Putain. C'est con, ce mec. Je fais crever à cause de lui. Oh. C'est quoi ça? Serpent à ramasser? Alors là, tu prends la lettre là? Ouais, donne-moi à manger. Bah attends, je mange avant. Merci Jocelyn, bonne nuit. C'est quoi ça? Tiens, je te le donne. Tiens, je te le donne. Voilà, mange. Ah, attends. T'as vomi? Tiens, je te le donne. Mais merde, c'est moi qui vomis. Putain. Tiens. Mange. Je suis plié là. Putain, il m'a vomi deux fois dessus. Ah putain. Oh. Oh, c'est bon, je le médaillon. Attends, je me balade avec le crâne depuis tout à l'heure. Mais attends, tu l'as posé le médaillon? Et pourquoi? Non, j'ai dans la main. Ah bah je laisse le crâne là alors. Putain, il y a un bateau non? Le bateau il est de l'autre côté. Ouais, mais on va poser le médaillon. Mais je crois que. Après, il y a plein de mecs qui vont venir. Je sais pas s'il est pas mieux d'aller déposer tout au coffre. On dit on pose ouais. Le médaillon, c'est pas grave. Ça fait 4 heures qu'on est dessus. Ouais. 3h30 de stream. Vas-y, tiens, pose-le là. Tu te rappelles où elle est la grotte ou t'es perdu? Ah ouais. Ah, c'est derrière. Non, si c'est derrière. Ah bah voilà. Bah voilà, tu peux le prendre. Et le scoot breaker là. C'est couvert. Et là, il y aura automatiquement des mecs. Voilà. Attention. Vas-y, viens. Oulala, ils sont beaucoup. Pour un est better. Et jeter par terre. Maintenant il faut le ramener. Tu y ailles. Vas-y, vas-y. T'es sûr que c'était par là? Ouais, ouais. Ah ouais, en effet. Ah, y'en a plein. Hein. On y va direct ou on récupère après le reste? On récupère le reste. Ok. Bah, attends alors, je vais en chercher. Hein. Chercher le truc. Ah merde, par contre c'est vrai que je peux pas du coup obligé que de courir. Marrant, on dirait qu'ils tombent comme ça. Oh, putain mais ils sont pleins dans l'eau là. T'inquiète, je m'en charge.
T'es où? Et toi? Où c'est que tu t'en charges? T'as rien fait. Ouais, mais j'ai rien, faut une arme. À pompe si tu préfères. Ah, ça c'est fait, ils sont tous morts. Ah, j'ai presque rien à manger. Pas celle-là. Là, ils me suivent, hein. De suite. Je sais. Je retire dessus. Non mais reste sur le bateau. Je vais prendre le truc, je vais aller à nage. Tac. Regarde, t'es prêt ou pas? Je vais faire tour de l'île de l'autre côté. On va arriver, c'est normal, t'inquiète. J'arrive là. Et t'as été récupérer quoi, le coffre? C'est quoi ce mec? De quoi? Non, pas le coffre, ça va pas quoi. Le crâne, il y avait deux crânes. Ah non, sinon j'ai récupéré le coffre. Il faut aller en haut. Hein. Non, mais j'ai plus de vie. Bah ouais. Bien, j'arrive là. Tac. Tac. Laisse-les là. Tac. Ok, le coffre il est où? Il est en haut. Donc on va y aller. T'attends. Allez. Attends, moi je vais le sniper. T'arrives, je vais chercher le coffre. Je me suis encore tous. Pour. Et par là. Par là. Passer par là. Un moment, faut que je monte. Par là. Par là. Il est où le coffre? Ou pas? Si, ça y est, je l'ai. Ok. Il est où? Merde. Oh, vas-y, je saute dans l'eau. Hop. J'ai sauté avec le coffre. Je sais pas si c'est pas ce côté que je fais. Je sais pas c'est lequel le meilleur côté. Non, tu sais quoi? C'est bon, j'ai compris ce que je veux faire. Je vais laisser là. Tac. T'es où toi? Je suis en train de tuer ceux qui sont sur la plage. Oui, mais j'essaye de voir où on est en fait. Cascade. Opposé, je crois en fait. Non, j'ai sauté du mauvais côté. Chier. Tu peux lever l'ancre et faire le tour? Ou c'est relou? Quoi? Tu peux lever l'ancre et faire le tour? Attends, j'arrive. Je lève l'ancre. Ah non, 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 en fait, je suis plus proche que ce que je pensais. Non, non, attends. Lève l'ancre et tu vas tout droit. Et on va se croiser. Je trouve plus le coffre. Je l'ai laissé là-dedans. Eh non, mais t'es de l'autre côté. Non, non, non. Je suis tout droit, en fait.
fait, tu vois par où je suis parti? Tu vois ou pas? Non, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu quand j'ai sauté? Pour aller chercher le coffre? Bah, tu vois là où il y a la grotte? J'arrive par là. Voilà, tu me vois là, en train de nager? À gauche, à gauche. Je vire de bord. À ta gauche. On est en train de te tirer dessus. Oh putain, s'il faut réparer, tu sais pas le faire. T'es dans la merde. Ralentis. Je suis là. Attends. Oh putain. Pose l'ancre. Et répare, t'es en train de prendre l'eau. Ou enlève l'eau le temps que j'arrive. Je sais pas le faire. Mais tu prends ton seau et tu ramasses, tu jettes. Et ramasse où? Tu prends ton seau, tu donnes un coup comme si t'allais taper. Bon, je suis là. Ce serait con de mourir là. Hein. Tac. Tu prends, tu jettes. Tu prends l'eau, tu prends, tu jettes. Moi, entre temps, je prends ça. Il faut aller réparer. Là, non, mais tu jettes pas. Faut pas jeter à l'intérieur. Tac, tu prends, tu jettes. Tu regardes juste si toute ta coque elle est nickel. Ici c'est bon, y a pas de problème. T'as jamais de problème en haut. Tous les dégâts c'est soit ici, comme tu peux voir. Non. Avec toutes les planches qu'on a mis, ou soit ici, tout le contour. Pour poser une planche, ouais. Tu prends ta planche et tu tapes avec le marteau. Tu verras, il va taper. Oui, on peut y aller. On se casse. Attends. Laisse tomber. Lâche, voilà. Il faut aller où? Il te dit d'aller déposer le shootbreaker. Il est où la statuette? Tu l'as mis où? En bas. Ok, et du coup, on va quête. Faut faire quoi du coup là? Là, y a plus rien. Je crois qu'il faut ramener le truc à. Là où on avait démarré, c'était où? Tu te rappelles? Bon, je vais aller voir. Tac. Pour te dérober, ça on l'a fait. Puzzle en route, ça on l'a fait. On l'a fait. Mystérieux étranger. Breaker fuyez le squelette APC. Il y a rendre dans une taverne. On va dans une taverne, donc il faut aller dans un avant-poste. L'avant-poste le plus proche. C'est Plunder. On va aller ici. Par contre, Plunder, peut-être qu'il y a trop de monde. Il y a à droite, là. Et là-bas, il y a Forsaken aussi. Je vais faire quoi? Un c'est à gauche. Vas-y, on va là-bas. Tu vois à gauche là? Là-bas, quand tu regardes à ta gauche, t'as un truc, t'as une île tout droit là. Ouais. Et bah c'est là-bas. Ok. Enfin, je pense. C'est là-bas. Allez, vas-y, je te lève là. Encore. Il faut tout ramener. Et si maintenant que t'as du butin, si on se fait niquer par d'autres mecs, ben on perd tout. J'hésite hein, d'aller à Plundery là. Putain, parce que là-bas il y a le. Non, va pas là-bas, laisse tomber. Il y a un squelette, je sais pas ce que c'est. Tu vas sud-ouest. 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 Ouais, maintenant sud-ouest. C'est pas ça là. Allez, sud-ouest avant-poste. De là, c'est toujours tout droit. Tu vas croiser une petite île à ta droite. Donc c'est pas celle qui est là. C'est celle qui est après. Putain, c'est quoi? Oh putain. T'as entendu?
Oui. Oh non, putain. On se tape le mégalodon. On va tout droit. Ne tape pas. Oh là, il va nous taper. Il va nous taper. Il passe à côté, là. Ah, mais ta race. Genre, ça ne suffisait pas. Je va tout droit. Continue tout droit. Continue tout droit. Ne tape pas. On va tout faire pour... Non, je l'ai évité. Je vais tout faire pour... Le vent il vient comme ça, donc là, bonne. Par contre, ne l'évite pas trop, hein. Faut aller aussi au chemin, là où on va. Hein. Tourne à droite. Faut que le vent soit de ton côté. Putain, merde, j'ai pas mis la. De ce côté-là. Allez, tourne à. Où tu l'ailles, faut que tu ailles à l'ouest. L'ouest, sud-ouest. Ouest, sud-ouest, c'est bon, le mégalodon il nous a pas nous a paniqué. L'ouest, on va à droite, l'ouest. Ouais, là c'est tout droit devant toi maintenant. Donc, tu dois voir une île en principe. Ouais, je la vois. Et là, je te mets la voile de ton côté. Ah merde, non, ça le tape devant, putain. James Sparrow, le pirate qui joue sa vie. Grave. Essaye de tourner à droite pour qu'on se tape le vent dans la voile. Et après, on rattrape à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. En fait, on va se mettre un peu en perpendiculaire et après, on part. C'est ça. Ok, c'est toujours tout droit. C'est sûr qu'à cette allure là on a du temps. Hein. On est loin? Non, c'est la île qui est en face de toi là. Et tu vas un peu la contourner. Hein. En fait, il faut aller de l'autre côté de l'île. Derrière. De l'autre côté? Bah derrière la montagne là. En fait, c'est pas ce côté là qu'il faut qu'on ait. C'est de l'autre côté de l'île. Tu peux la contourner. Vu que t'es à gauche, fais le contour. Contourne, tu vois là où t'as l'autre rocher à côté. Ouais, c'est bien. Voilà, continue. On est pas mal. On est pas mal. La voile, elle est toujours de face. C'est pas grave, tu sais quoi, je vais te l'enlever comme ça tu vois mieux. Tac. Et là tu vas tourner à droite. Je te mets la droite alors. Au moins, c'est un peu loin. Attention. On va faire droite-droite. Voilà, il y a le ponton qui arrive. Tu peux rester comme ça à peu près. Voilà. Voilà, on va se taper. Donc là, on va aller vite. Lève un peu. Et... Tourne, tourne, tourne. Tourne, nickel, nickel, et là je vais laisser comme ça. Non, 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 c'est bon. Allez, tu prends tout, on va prendre tout ça là. Tu ramènes à chaque fois, prends les crânes, comme ça je te montre où c'est. Alors les crânes. Il n'y en a pas? Si, si, ils sont dans les coffres. Il y a un coffre ouvert en principe.
coffre ouvert. Un truc de sirène. Ouais, la sirène, je crois que tu le vends au marchand d'or, si je me trompe pas, mais... Et à l'intérieur du coffre, t'es encore là-bas ou t'es où, là? Je suis là-bas. Mais prends-en un, on s'en fiche. C'est pas grave, allez, je vais les ramener. Et là, tu vas commencer à avoir des points pour chaque. T'as pris quoi, du coup, là? Un coffre. Lequel? Je sais pas. Pose-le. Il est plein ou pas? Il faut que tu remplisses de caisses. Tu peux pas vendre ouvrir de caisses. En fait, il faut qu'on remplisse... Tac, c'est pas grave, on en a encore. Laisse-le là, lui. C'est pas celui qui va nous coûter le plus. Retourne. Il a tout niqué, le pot. Là, à l'intérieur, t'en as. Tac. T'es où? Je monte sur le bateau. Ok, vas-y. Tiens, je te le pose là, d'ailleurs. Là. Bon, je te l'ai un peu posé comme une merde devant le mât, mais... Voilà. Je prends le deuxième, comme ça, au moins ça c'est fait. Tac. Allez, on y va ensemble. Je t'ai écrasé. Les squelettes, faut les ramener ici. Et tu appuies sur X. Tu les vends. Donc ça te fait des thunes à chaque fois. Ouais, c'est bien, non? C'est GG. Fini. Moi j'aime bien. Je vais te laisser prendre le screw de breaker là, je sais pas quoi. Attends, faut que je prenne du bois aussi. Tac. Ah oui, mais j'en ai plus. T'as du bois toi? Attends, je remets. Ça c'est marchand d'or. Prends le coffre et tu le ramènes au marchand d'or. Le Scoodwaker, garde-le en fait, hein. On va le ramener après, à la fin. Ah. Parce que c'est le seul truc que les mecs peuvent pas te revendre. Parce que là, on se fait tuer là, on perd tout. Bon, après c'est pas non plus énorme ce qu'on nous donne, c'est des petits coffres de merde, hein, ce qu'on a trouvé là. Augustin, par exemple, tu vois, il a des quêtes de ouf, qui te ramènent énormément de thunes. Et le saphir, je donne à qui? Or, je crois. Je sais pas. Je crois que n'importe quel vendeur. Hein. Tac. C'est lui, là, hein. Beauté. Tu l'as revendu au même mec ici. Il te le prend ou pas? Ouais. Il l'a repris, hein? Ouais. Ah, nickel. 1000 quand même. C'est quoi? Munitions. Donc des munitions, on va prendre ici, on va le remplir. Je sais pas comment. Non, je peux le remplir ça.
Tu prends, prends ça là. Prends le Scroot Becker là. Le coffre là, je crois qu'il n'y a plus rien dedans. Donc, tu peux le laisser, il n'y avait pas. Il y en a deux coffres. Non, lui c'est nos munitions. Je peux pas l'enlever. Donc là, le seul truc qui te reste, c'est ça, ouais. Non, c'est tout droit par là. Quelle... Ah merde, munitions, c'était en haut. Tu sais où est la taverne ou pas? Non, je vais trouver. Attends, je vais te rejoindre dans deux petites secondes, c'est juste que je vais reprendre à lui, je crois. Tac. Pièce de munitions vendue, 465. La taverne, c'est ici. Bah voilà. Bah tu redonnes. Voilà. Donc là maintenant t'as débloqué un truc dans le jeu. A partir de là tu vas pouvoir en fait au fur et à mesure débloquer des petites choses. Là on a fait le 1. D'accord. Il nous reste de, le 2, le 3, le 4, le 5. Et ce jusqu'à 9. I did hear tell that Captain Briggsy made it to the shores of gold. If that's true, she might know the whereabouts of these missing stones. Not that she'd ever say. Sometimes, even the best pirates fall victim to their greed or hatred, and it changes them. Strips the flesh from their bones, gives them power, but twists them up inside. Briggsy is one such abomination. People call them skeleton lords. And most pirates fear their approach. Il parle beaucoup. Even the order of souls dares challenge them, and rightly so. But you, you are going to have to hunt one down. I have eyes and ears across the Sea of Thieves. If you gather any of the missing pieces, I'll see they're restored to the Shroudbreaker on your behalf. Shroud. For now. Voilà, tu vois. Pour le prochain, il faudra aller à l'avant-poste de Plunder et voir Olivia. Skeleton lords are not to be taken lightly. Voilà, fin de l'histoire. Il y a 8000 quand même. Bien. Ah ouais. Et là maintenant, ça y est, tu. GG. GG, merci à toi. Mais t'es rien, t'es rien. Et là, maintenant, il fait super beau. Voilà. Bon. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour... je pensais pas que ça allait mettre 4 heures. 4 heures de stream, on vient de faire. C'est quand même pas mal. Bonne nuit. Et plus personne. À la prochaine. Je sais pas si ça t'a plu, mais si, quand tu veux, si tu veux qu'on le refasse, on en refera. Ah non, moi, j'ai kiffé de ouf. Eh ben, c'est quand tu veux, on fera la fable 2. Voilà. Allez, pas de soucis. Okay. Merci à toi, John. Bisous à tous. Bonne nuit. Bonne soirée. Bisous, ouais. Ciao. Ah oui, attendez. Je vais faire ça. Bonne nuit. Bonne nuit, les petits.